que c'est bon? Vous me recevez mieux là? Est-ce que la connexion est meilleure en ce moment? S'il vous plaît. Est-ce que la connexion est meilleure en ce moment? Est-ce que la connexion est meilleure en ce moment? Bonsoir, bonsoir Gabi, bonsoir à tout le monde. Est-ce que la connexion est meilleure en ce moment? Ok. Bien. Si la connexion est meilleure, s'il vous plaît, est-ce que la connexion est meilleure en ce moment? Ok, on me dit que c'est bon, on me dit que c'est bon, on me dit que c'est bon, on me dit que c'est bon. Ben écoutez, ça bug, c'est tout à fait normal. Je vous ai demandé qu'il y avait un projet. Il s'agissait d'améliorer notre plateforme, de la sécuriser, de la rendre plus performante, de la rendre plus d'attaques, mais surtout de la préparer avant le discours à la nation. Jusque-là, très, très, très peu de personnes se sont manifestées. Et je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont manifestées face au projet. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu me recevoir chez eux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, jusque-là, ont participé. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes encore très, très, très loin du compte. Mais bon, je comprends que ce sont les fêtes et qu'il faut se préparer pour les fêtes. Alors, j'aimerais dire quelque chose avant de commencer ce live. Déjà, commencer déjà par partager. J'aimerais vous dire que les fêtes de fin d'année, nous les fêtons depuis déjà plus de 50 ans. Ça n'a jamais rien changé. On n'a jamais failli à la tradition. Mais si l'on peut essayer de sacrifier un peu, pas trop, mais un peu de ce qu'on avait prévu faire dans les fêtes par rapport à ce projet, par rapport à ces projets, parce que ce n'est pas le seul projet. Il y a le projet des Claire Newman avec Serge, et vous le connaissez. Il y a ce projet. Si on peut sacrifier un peu pour ce projet qui n'arrive pas tous les jours par rapport à nos fêtes qui ont été prévues, ce ne sera pas mal parce qu'il s'agit du Gabon. Et j'estime que le Gabon, quand on parle du Gabon, on doit parler du meilleur de soi. Et donc, c'est pour cela que je demande à ceux qui m'ont déjà reçu, qui ne sont pas encore revenus vers moi, de s'il vous plaît, de ne pas négliger ça. C'est très, très important. Il y a 85 personnes. Si dans les 85 personnes, les gens envoyaient un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, ça fera déjà quelque chose de vraiment consistant. Je n'ai pas envie de donner de somme parce que je pense que chacun doit donner à la hauteur du combat, à la hauteur de l'estimation qu'il y a de ce combat. Mais je tiens à vous rappeler que le peu que les gens ont pu envoyer jusque-là, c'est encore très, très loin du compte. Pas plus tard qu'il y a cela 3 jours, si je n'ai pas fait de live, c'est parce que j'étais à Istanbul. Il a fallu que je visite des magasins électroniques qui vendent du matériel dans ce sens-là pour voir ce que je peux bel et bien prendre pour préparer ce que je dois préparer pour la plateforme. Et je vous assure que ça coûte les yeux de la tête. Et donc, je demanderai à tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça me fait bizarre d'appeler les gens. Honnêtement, je ne veux appeler personne, mais j'aimerais bien voir les gens se manifester avec le cœur. Parfait, nous voulons participer à ce projet. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais vraiment le voir. Il y a beaucoup qui l'ont fait, il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Je suis obligé d'aller vers vous. Et je vais continuer parce que quand il s'agit de parler du Gabon, je n'ai pas honte. Ce n'est pas une honte de venir dire aux gens, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien participer à ce projet? D'autant plus qu'il est important. D'autant plus qu'il est important. Si les 108 personnes ou les 105 personnes qui sont là peuvent donner chacun quelque chose un peu, je vous assure que nous serons déjà les 108 personnes là. S'ils donnent quelque chose, le projet est prêt. Il sera prêt pour le 27. Parce que je tenais à faire la plateforme, je tenais à lancer la plateforme le vendredi de cette semaine. Mais vu que nous sommes encore très très loin du compte, alors j'ai encore ajouté 10 jours. Mais la plateforme doit être prête avant le discours à la nation. Je tiens à le rappeler. Il y a quelque chose qui se prépare par les émergents qui sera encore plus grave que les deux vidéos qu'ils vous ont envoyées. Si la plateforme n'est pas prête pour pouvoir contrecarrer leur plan, si la plateforme n'est pas prête pour pouvoir permettre aux gens d'intervenir, si la plateforme n'est pas prête pour pouvoir faire ce travail, ce ne sera pas de notre faute, ce ne sera pas de ma faute, ce sera simplement de notre faute à nous, parce que nous aurons négligé quelque chose, parce qu'on estime que les fêtes de fin d'année sont beaucoup plus importantes. Donc, j'aimerais vraiment ne pas avoir à continuer à appeler les gens. J'aimerais que les gens continuent à se manifester. Cela ne veut pas dire que vous êtes moins important et ça ne me dérange pas de vous appeler, mais ça me donne beaucoup plus de force de voir une personne me contacter en me disant que parfait, je veux participer à ce projet, que de venir encore vers les gens alors que l'information a déjà été donnée.
Merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé jusqu'aujourd'hui. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes encore très, très, très loin du compte. Merci, merci beaucoup. Alors, je tiens à vous demander, j'ai encore ajouté 10 jours. Je voulais terminer ça vendredi. J'ai encore ajouté 10 jours, s'il vous plaît, réagissez, s'il vous plaît. Si vous ne réagissez pas, je viendrai vers vous. Je vais continuer à vous appeler. Je vais continuer à vous appeler. Et donc, merci de bien vouloir ne pas être insensible, hein, pour ne pas dire ne pas être sensible à ce combat, sensible à cette action. Donc, encore merci. Jules me dit que le son. Jules, tu n'entends pas. Est-ce que tu n'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous recevez... est-ce que vous recevez... Bon, quelqu'un me dit... Erwan Bourreau aurait donné un lien Litchi. Il faut vous mettre ensemble. José me dit que Erwan aurait donné un lien Litchi. Je voudrais vous dire ceci. Je n'ai pas fait de lien Litchi. Je ne veux pas faire de lien Litchi pour des simples raisons que j'ai bel et bien analysé ma bande passante et j'ai constaté qu'elle est de manière permanente attaquée. Je refuse de faire un lien Litchi pour des mesures de sécurité et de prudence. 1. 2. Je ne peux pas me mettre avec Erwan Mbourou parce que son lien Litchi, c'est certainement pour un projet qu'il a en cours. Je ne veux pas mélanger le projet. S'il a un projet, j'aimerais que, si vous voulez participer à ce projet, son projet peut être aussi important que le mien. Ceux qui ont déjà participé avec Erwan peuvent ne pas forcément participer avec moi. J'aimerais que ceux qui ont déjà donné quelque chose à Erwan ne participent pas à mon projet, mais que ceux qui pensent vouloir bien participer à mon projet le fassent. Ce que je vais dire ici, c'est que le projet d'Erwan est aussi important que le mien. Par conséquent, ceux qui ont déjà donné au projet d'Erwan ne sont pas obligés de donner à mon projet parce qu'il faut être raisonnable. Les gens traversent des moments difficiles. Erwan, son projet, c'est pour la résistance et je vous encourage tous énormément à participer au projet d'Erwan, bien que je ne le connais pas. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore donné pour le projet d'Erwan et qui prennent l'information maintenant, merci de bien vouloir me contacter. Merci de bien vouloir me contacter. Sinon, je continuerai à vous appeler. Donc, je répète ceci. Le projet d'Erwan est très important. Il est très, très important. Je ne le connais pas, mais si Erwan demande une aide dans ce sens-là, je suis sûr qu'il est important. Et je voudrais que vous participiez au projet d'Erwan. Pour ceux qui peuvent bien le faire, et d'autres, pour ceux qui veulent bien participer aussi à mon projet. Mais je ne veux pas que vous participiez au projet d'Erwan et à mon projet, parce que je suis conscient que les moments sont difficiles pour tout le monde. Donc, il ne faudrait pas emmener la confusion. Nous faisons le même travail, nous avons les mêmes objectifs. Donc, merci, merci encore pour ce que vous faites et merci pour votre mobilisation. Donc encore, demanderai aux gens de partager le live. Comme vous le connaissez, partagez le live. On ne peut pas faire de compte commun. On ne peut pas faire de compte commun. Tout simplement déjà parce que, comme je vous l'ai expliqué, les projets sont différents. Les projets sont montés dans des cadres différents. Et moi, je ne suis même pas au courant du projet d'Erwan. Donc, par conséquent, on ne peut pas faire de compte commun. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que ceux qui vivent dans les mêmes régions de France, vous pouvez vous rencontrer, vous parler entre vous. On veut participer au projet de Parfait. Vous vous regroupez, vous faites chacun même 50, 50 euros, 25, 30, 30, 30 euros. Vous faites un petit paquet, vous envoyez. Parce que quand je reçois plein de petits paquets, vous savez que c'est Western, c'est MoneyGram. À un moment donné, il y a un quota de réception, pas de coût. Pas de quantité, mais de réception. On va peut-être me dire, par exemple, à MoneyGram que je ne peux recevoir que 2 MoneyGram par mois, par exemple. Alors, si plusieurs personnes envoient 30, 30, 30, donc 3, 30 MoneyGram de 30 euros, ça fait que je ne peux plus recevoir en MoneyGram. Par contre, si des gens se mettent ensemble, ils disent, bon, nous sommes par exemple dans la région de Lyon, Parfait a demandé à ce que les gens participent à son projet, alors nous allons faire 30, 30, 30, 30, 30, 30, ou 50, 50, 50, 50, 50, d'accord? Lorsque les gens font comme ça,
Vous faites un petit paquet, parfait, écoute, nous avons pu trouver ceci pour toi, on te l'envoie. Vous comprenez? Et là, c'est mieux, au moins je vais recevoir peut-être 5 ou 6 personnes pour un seul envoi et moi, ça m'évite de rentrer dans mon quota de réception. Parce que par exemple, sur Monogram, je ne peux plus recevoir, j'ai reçu déjà 3 Monogram dans le mois et c'est plus possible. Donc, je demanderai aux gens de se mettre ensemble. Par exemple, Lyon, Paris, où je ne sais pas trop où vous êtes, vous connaissez des gens, vous vous connaissez entre vous, vous vous mettez ensemble. Tu as celui-là de Parfait hier soir, il parlait d'un projet. On se met ensemble, on fait peut-être 30, 30, 30, 30, 30 euros ou 50, 50, 50, ça dépend, ou 100, 100, 100, 100, ou 200, 200, 200, moi ça ne me dérange pas. En tout cas, les gens se mettent ensemble et ensuite vous faites un envoi. Et là, c'est encore mieux, ça m'évite de recevoir trop de monogrammes et ne pas pouvoir les récupérer. Par exemple, j'ai 2 monogrammes qui sont arrivés que je ne peux plus récupérer vu que mon quota de monogramme a atteint. Maintenant, pour le projet d'Erwan, il est important, tout autant que le projet de Claire est important. Ceux qui ont déjà participé, par exemple, au projet d'Erwan, d'accord, ceux qui ont participé au projet d'Erwan ne sont pas obligés de participer à mon projet. Je suppose que les moments sont très difficiles pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas participé au projet d'Erwan, vous pouvez participer à mon projet. Pour ça, il n'y a pas de souci. Nous avons le même combat, nous œuvrons pour les mêmes causes, nous voulons atteindre les mêmes objectifs. Donc, c'est ce que j'aimerais déjà dire aux gens. Ce n'est pas un défi de projet. J'ai eu un projet maintenant, nous ne savons, nous ne travaillons pas ensemble. Et lui aussi, il a eu un projet, il a demandé une participation. Il est tout à fait normal que vous participiez à son projet. Et c'est ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres. Et encore, merci pour ceux qui participent au mien. Merci pour ceux qui pourront bien venir vers moi, mais si vous ne venez pas vers moi, je viendrai vers vous. Donc, voilà pour l'introduction. Merci déjà pour partager le live. Partager le live. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du plan B. D'accord? Nous allons parler du plan B. Alors, on depuis 2 ans, on en a parlé, mais ping à quel plan B? Ping à quel plan B? Ping vous a dévoilé son plan B hier. Oh, avant-hier. Oh non, il y a cela 3 jours, 4 jours. C'était pour moi la deuxième sortie successive de Ping où je salue énormément son discours. Ce discours était propre. Je ne vais pas l'analyser. Parce que Stéphane, je pense aussi qu'il y a Messire, je pense aussi qu'il y a plein de personnes qui ont analysé le discours de Ping. Je ne vais pas revenir là-dessus. Parce qu'ils ont déjà fait, je considère que ces personnes ont déjà fait un travail magnifique. On pourra toujours revenir sur certaines choses, mais ce que les autres ont déjà fait jusque-là, c'est un travail magnifique. Donc, merci. Alors, il y a Mario Tiozo Medane qui me dit que vous êtes des mendiants. Merci, Mario. Mario, tu sais ce qui me fait plaisir? C'est que tu reconnais notre valeur. Chaque Gabonais est un mendiant, Mario. Chaque Gabonais est un mendiant. Parce que les bongos ont fait de nous des mendiants. Mais nous allons continuer à mendier, Mario, parce que nous voulons libérer notre pays. Pourquoi ne pas mendier si c'est pour une cause qui vise à libérer son pays? Si les Gabonais en face considèrent que nous sommes des mendiants, j'espère qu'ils nous verront comme des mendiants dignes, dignes de mériter leur participation pour des projets qui visent à libérer notre pays. N'est-il pas une belle chose d'être mendiant? J'accepte, Mario, j'accepte d'être un mendiant. Ce n'est pas un crime. Je préfère mendier, je préfère demander que de voler. Je préfère mendier, je préfère demander que de m'allonger sur un canapé. Je préfère mendier, je préfère demander que de vendre mon pays pour rien. Donc, merci, merci beaucoup. Après, il me dit, demande à Ping. Oh non, Mario, je te rassure ceci. Aujourd'hui, c'est le peuple qui veut se libérer. Ce n'est pas Jean Ping. Nous, le peuple, nous contribuons pour notre libération. Notre libération, c'est pour nous, les Gabonais. Ce n'est pas pour Jean Ping. C'est pour nous, les Gabonais. C'est pour moi qui suis jeune. C'est pour mes futurs enfants, mes petits-enfants. Alors, je dois d'abord, moi, contribuer avant de demander à Jean Ping. Jean Ping fait sa part. Moi, je fais la mienne. Et j'aimerais te dire ceci, Mario. Après ce live, je vais demander ta participation. J'aimerais que toi, Mario, tu puisses participer à ce projet. Alors, si tu es un Gabonais et que tu sais que l'on se bat pour ta liberté, parce que tu es un esclave, alors j'aimerais vraiment que tu participes à ce projet. Je vais t'appeler juste après. Je vais t'appeler juste après. Donc, encore merci pour tous ceux qui participent. Merci pour ceux qui partagent ce live. Il
aux gens qui sont au Gabon parce qu'ils ont besoin de comprendre ceci. Notre combat, ce n'est pas pour un homme politique, c'est pour nous-mêmes d'abord, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est pour le Gabon éternel, c'est pour le Gabon immortel. Si les gens n'ont pas compris la grandeur et la hauteur d'esprit dans laquelle nous investissons dans ce combat, il faut le leur dire. N'hésitez pas de passer le message. N'hésitez pas d'expliquer aux gens la nécessité de pouvoir faire des choses pour libérer notre pays. Encore merci. Alors, on va revenir sur le débat, le sujet du jour. Donc, je disais, Jinping a fait un super discours. Alors là, vraiment, il est super dans tous les sens. Mais ce qui est important dans ce discours, c'est que nous allons regarder ensemble une vidéo. Et c'est cette vidéo que je vais analyser. D'accord ? Un instant. Nous allons regarder ensemble une vidéo et c'est cette vidéo qu'on va analyser. Et dans cette vidéo-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment apprécié, que j'ai vraiment apprécié parce que la connotation que l'on a voulu faire de cette vidéo, c'est tout le contraire du message qui est réellement passé. Alors, je demanderai aux 193 personnes là connectées de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, envoyez-le aux émergents, envoyez-le à travers le Gabon, envoyez-le partout, s'il vous plaît, partagez le live. Donc, je vais ouvrir la vidéo parce que la vidéo est très importante. Cette vidéo nous permet de nous situer d'abord dans le combat. Elle nous permet de nous situer sur ce qu'il reste à faire et surtout sur ce qui sera fait. Donc, on va regarder cette vidéo ensemble. Les émergents l'ont récupéré, l'ont balancé un peu partout dans les réseaux sociaux avec un seul objectif. L'objectif qu'ils avaient visé aujourd'hui, on va la détruire. On va reconsidérer les faits. Comprenez ? On fait de l'analyse et c'est très important. C'est très important. Donc, merci de ceux qui sont allés bien vouloir continuer à partager le live. Envoyez en inbox, dans des groupes WhatsApp, dans les Facebook, partout où vous voulez. Envoyez surtout aux émergents. Alors, on va essayer d'ouvrir... attendez un instant. Voilà. Alors, je vais lancer la vidéo. Vous l'avez certainement tous suivi, là, les vidéos. Mais on va analyser la vidéo aujourd'hui ensemble. Donc, continuez à partager le live. Alors, sans plus tarder... Pendant vos voeux de la popo, vous incitez les jeunes du 6e à aller punch. On punch les magasins, on punch les oui. Après, quand on taille la jeunesse, tu pas te boler là-bas au Yuma. Ces gens-là ne viennent même pas te donner même le fer, donc le carré. Tchekara, ce sont tes remparts qui viennent sauf à pour te donner les oui. C'est fini, eux les mounas sont bien des ascaltos, non mounas. Donc, ils disent sauf à, regardez un peu ma femme. Le 6e, regardez le Wax. Quand même que si un gars veut même accoucher la Naya, c'est les palabas. Regardez le pont. Quand il pleut ici, c'est les palabas. Tu ne peux pas off. Donc, on ne peut plus les choses qu'on nous envoie toujours casser. Donc, les jeunes du 6e, on veut la tranquillité, la paix. On veut que vous nous construisez même les hôpitaux, les sky, ceci. Non, on veut l'Europe. On ne veut pas les loups, les magasins, les palais au 6e. Ici, on veut le SIA. Le plus grand arrondissement. On ne peut pas les oui du punch, les oui. Il y a mon sofa là-bas, ma sama. Il n'y a pas les hostos, il n'y a pas les oui. Il n'y a même pas les lumières au wax. C'est dans le black, tout à comme si on était à M. Donc le tout là, non. Nous, la jeunesse du 6e, on a un demso, on ne veut plus aller dans le punch. On veut le sia dans le 6e. Voilà. Bien. Alors, vous avez suivi cette vidéo. Cette vidéo, c'est la vidéo la plus cohérente, la plus éloquente qu'il m'a été donné d'écouter du Mapan, comme on dit, du ghetto, comme on dit, du quartier, comme on dit. Cette vidéo, déjà, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. Il ne faudrait pas vous pencher sur le langage. Parce que ce langage, c'est l'un des langages qui est le plus pratique aujourd'hui au Gabon, mais surtout, il parle avec une éloquence extrême. Pour une personne qui est dans ce milieu, il comprendra vraiment avec beaucoup, beaucoup de facilité ce qu'il essaie de faire passer comme message. Il est éloquent dans son langage. Il est éloquent dans son domaine. Moi, je suis franc, je ne suis pas français. Je peux ne pas savoir parler français. C'est mon droit.
Parce que je dois plutôt être éloquent dans mon fond. Et lui, il est éloquent dans son langage. Là, c'est déjà une chose que j'aimerais déjà faire comme remarque et tirer mon chapeau à ce jeune homme. Et ensuite, j'aimerais vous rappeler une chose. Après ce langage, la première fois que j'ai écouté une personne s'exprimer avec autant d'éloquence, c'était Bertrand Zibi. Et ça aussi, vous devriez comprendre quelque chose. La communication, mes frères, la communication. Voilà pourquoi il est important pour nous de mettre en place cette petite plateforme. Donc, le projet que je suis en train de mener est très important. Pourquoi ? Le projet a deux phases. La plateforme où tout le monde pourra s'exprimer. Je dis tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire que même ce jeune homme-là, je vais le chercher. Je vais le trouver, ce jeune homme. Je vais le chercher, je vais le trouver. Je lui permettrai de venir intervenir, de dire ce qu'il a à dire sur cette plateforme. Pourquoi ? Parce que cette plateforme a pour objectif de permettre aux Gabonais de s'adresser à l'ensemble des Gabonais à travers le monde et leur dire ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Ça, c'est très important. C'est une manière pour nous de lutter déjà contre notre peur, parce que la véritable peur, la raison pour laquelle les gens ne se sont pas encore relevés, c'est parce que les gens ont peur de parler. Plus on communique, plus on parle et plus on a des chances, des forces chances de lutter, de vaincre nos peurs. Alors cette plateforme a pour objectif de lutter contre les peurs des Gabonais. Ça, c'est la première chose. Mais qui me dit qu'il n'y a pas de son? Je ne comprends pas. Excusez-moi, il y a le son là. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son, s'il vous plaît? On me dit qu'il n'y a pas de son. Je ne comprends pas. Est-ce que vous entendez? Ok, on me dit qu'il y a le son, mais je ne comprends pas pourquoi certaines personnes disent qu'il n'y a pas de son. Je ne comprends pas. Ok, donc on va continuer. Alors, une fois que tout cela a été dit, une fois que tout cela a été compris, alors qu'est-ce qui va se passer? Comment on veut s'organiser? Les émergents ont pris cette vidéo, ils l'ont traduit, ils ont voulu faire une communication. Parce qu'au début, le jeune dit qu'ils ne veulent plus aller casser. Ils ne veulent plus aller casser. Ils ne veulent plus qu'on les utilise pour aller casser pendant que les enfants des personnes qui les envoient casser vivent et apprennent en Europe. Alors, ce qui est important, c'est que une personne a écrit, vous qui avez revendiqué les 80% qui sont soi-disant avec vous, voilà le véritable message du MAPAN. Oui, 80%, ça représente le MAPAN. Et le MAPAN dit ceci, ils ne veulent plus venir avec vous. Ils ne veulent plus marcher avec vous. Ils ne veulent plus casser pour vous. Alors, moi, je vais dire une chose. Sachez ceci. On n'a jamais demandé aux gens d'aller dans les marches pour casser quoi que ce soit. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent ceci. Moi, aujourd'hui, je suis un acteur politique peut-être, mais je ne suis pas pour la politique. Je suis là pour éveiller le peuple gabonais. Je suis là pour sensibiliser le peuple gabonais. C'est ça mon travail. Mais encore, quand je parle du peuple gabonais, je vais aller plus loin. Je suis là pour éveiller la jeunesse gabonaise. Parce que ce jeune homme, il peut avoir le même âge que moi. Il peut être moins âgé que moi. Il peut être plus âgé que moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est de ma génération. Et j'aimerais le voir, au lieu de s'exprimer, d'utiliser, j'aimerais le voir utiliser son éloquence, parce qu'il est maître dans son langage. J'aimerais qu'il s'adresse aux jeunes comme lui, qui sont capables de comprendre son langage, mais qu'il s'adresse à eux en leur disant ceci. L'avenir, c'est nous. Si nous ne levons pas pour notre avenir et celui de nos enfants, personne ne le fera à notre place. Lorsque ce jeune ira marcher, lorsque ce jeune ira manifester, lorsque ce jeune ira pour écouter un message qui va l'emmener à comprendre ce qui est nécessaire, ça sera tout simplement pour son avenir propre. Pour son avenir propre. Il a dit qu'on l'incite à les casser. Désormais, ne sort plus pour casser. Sors pour poser des questions. Sors pour t'interroger sur l'avenir de tes enfants
ton avenir. Alors, lorsqu'on revient encore sur cette vidéo, je vais essayer d'ouvrir la vidéo. Excusez-moi. Ah, c'est le site. Je vais essayer d'ouvrir la vidéo, puisque nous travaillons sur la vidéo. On fait l'analyse comme toujours. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Nous tous, nous avons vu cette vidéo. D'accord? Déjà, quand on regarde le personnage, moi, je vais dans tous les sens. Déjà, nous constatons déjà clairement que ce jeune est dans et sous l'emprise de la drogue. Ce jeune est sous l'emprise de la drogue. Il s'est drogué certainement dans la veille ou il sort d'un moment de ce genre. Et lorsqu'il s'exprime, d'accord, nous comprenons déjà qu'il dit des choses très vraies tout en étant sous l'emprise de la drogue. Par conséquent, la drogue ne l'enlève pas la compréhension de ce qu'il vit. Ce jeune homme sait ce qu'il vit. Malgré le fait qu'il se drogue, il sait que dans son quartier, il n'y a pas de route. Il sait que dans son quartier, il n'y a pas moyen d'aller à l'hôpital. Il sait que dans son quartier, il n'y a pas d'électricité. Il sait que dans son quartier, quand une femme veut accoucher, elle va accoucher à même le sol dans sa maison parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Ça veut dire que malgré son état second, il sait ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi il le sait? Mais il le sait tout simplement parce qu'il le vit dans sa chair. Il le vit dans sa chair. Malgré le fait que tu prends des drogues, ça n'enlève pas l'idée de savoir que je vis mal. Il vit mal. Et lorsque ce jeune parle des routes, il parle d'électricité, il parle d'accès, il parle à l'éducation, ben c'est tout simplement parce que, en réalité, ce jeune ne s'adresse pas aux opposants qui demandent à la jeunesse de pouvoir aller suivre un discours. Non. Il s'adresse à ceux-là qui ont pillé le Gabon, qui ont fait du Gabon ce qu'il est aujourd'hui depuis plus de 50 ans. C'est pour cela, c'est à ces personnes-là qu'il s'adresse. Contrairement à ceux qui veulent penser, qui veulent croire que ce message est dressé à l'opposition, à la résistance. Ce message est dressé. Il est adressé aux personnes qui était censé permettre que ce jeune homme, au lieu de parler comme il est là, regardez-le, parler dans ces conditions-là, il devrait être à l'école. Il devrait être à l'école. Mais il n'est pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Il est dans un quartier. Ivre, ivre mort. Et vous, au lieu de vous indigner de cette situation, vous préférez le laisser dans cette situation pour venir faire une communication comme quoi les jeunes des bas quartiers ne sont plus prêts à se battre. Non! Vous ne voyez pas que c'était un jeune homme. Il aurait pu être président de la République. Il aurait pu être médecin. J'aimerais revenir encore sur une chose. Regardez bien ce jeune homme. Regardez-le bien. J'aimerais vous rappeler que c'est l'enfant de quelqu'un. Il y a une femme qui a porté ce jeune homme pendant 9 mois dans son ventre. 9 mois. Elle a donné son sein. Elle a protégé. Elle a soigné. Elle espérait qu'il sera médecin, enseignant, avocat, président de la République, pourquoi pas, ministre, homme qui pourrait changer, qui pouvait apporter quelque chose pour son pays, mais apporter quelque chose pour sa mère. Et vous? Vous n'êtes même pas capable de voir l'image. Voici ce que les bongos ont fait. Voilà ce que les bongos ont fait de notre jeunesse. Voilà ce qu'ils ont fait de notre jeunesse. Voilà ce qu'ils ont fait de notre jeunesse. Vous ne pouvez pas vous étonner que, ah, mon Dieu, une femme a porté comme ça 9 mois. Elle a porté 9 mois. Elle pensait avoir mis au monde un homme. Et aujourd'hui, voilà à quoi il ressemble, son fils. Vous croyez que ça me fait plaisir de montrer ce jeune homme? Mais non, ce que je vais vous dire ici, c'est que l'on se sert de ces jeunes. On se sert de
de ces jeunes pour pouvoir atteindre des objectifs personnels qui ne vont jamais faire avancer notre pays. Ce gars peut avoir le même âge que moi. Il a le même âge que moi. Lui, il est à la maison. Moi, je fais des TD à l'université de Sakarya. Lui, il est à la maison. Moi, je fais des TD à l'université de Sakarya. Voilà la différence. Voilà la différence. Voilà la réalité. Voici la réalité. Quand vous montrez cette image, qu'est-ce que vous attendez réellement? Vous pensez que ça va emmener les gens à croire que la jeunesse ne veut pas se libérer? Vous pensez que ça va emmener les gens à croire que ces jeunes ne veulent pas aller à l'école, qu'ils ne veulent pas voir leur quartier électrifié, qu'ils ne veulent pas voir des points d'accès à la route dans leur quartier? Vous vous servez de leur faiblesse. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous attaquez des personnes qui font jours et nuits à ne pas dormir, à réfléchir de comment on peut apporter quelque chose de sensé à notre pays. Votre rôle, c'est lequel? Dire que parfait mendiant, parce qu'il va vers les Gabonais pour essayer de mettre en place un projet qui va profiter toute la nation? Oui, j'accepte d'être mendiant pour ça. Pour mon pays, je pourrais mendier. Pour mon pays, je préfère mendier que de voler. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Vous essayez de nous rabaisser à vos injures, à la deux balles. Non, on ne va pas vous insulter. Je ne vais même plus vous insulter. Parce que je sais que vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Et j'attends un jour, j'espère qu'un jour, vous arriverez à vous libérer de vos chaînes. Donc, voilà pourquoi je suis conscient que notre travail est là pour apporter beaucoup plus que ce que l'on veut faire croire aux uns aux autres. Donc, soyons honnêtes entre nous. Notre pays, c'est pour nous. Le Gabon, c'est pour nous. Nous nous battons pour le Gabon. Et personne ne va libérer le Gabon à notre place. Personne ne va libérer le Gabon à notre place. Personne. Seuls les Gabonais pourront libérer le Gabon. Seuls les Gabonais le feront. Et le Gabon de demain, ce sont ces jeunes qui sont censés le gouverner. Ce sont ces jeunes qui sont censés le lever. Ce sont ces jeunes qui sont censés le guider. Alors donnons une chance à ces jeunes, à cette jeunesse de s'en sortir. Donnons une chance à cette jeunesse pour s'en sortir. Parce que je ne me satisfais pas d'être ici en Turquie, à l'université, pendant que ce jeune, tout ce qu'il a comme quotidien, c'est la drogue, le braquage, les meetings de 5000 francs, un t-shirt, un sandwich. Non. Je rêve plus loin, je rêve plus grand pour ces jeunes. Voilà pourquoi je demande aux uns aux autres de nous aider à mettre en place cette plateforme. Parce que cette plateforme permettra à ces jeunes de s'exprimer. Elle permettra à ces jeunes de pouvoir dire, dans ce langage éloquent qui est le leur, à d'autres jeunes comme eux, la nécessité de se battre pour leur avenir, la nécessité de se battre pour l'avenir de leurs enfants. La nécessité de se battre pour leur pays. Donc, c'était le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup pour ceux qui ont partagé ce live. Et je vous demande encore de le partager. Et je demande encore à ceux qui n'ont pas encore participé au projet de bien vouloir me contacter. Si vous ne me contactez pas, je viendrai vers vous. Et je viens d'apprendre que Erwan aussi a un projet. Alors, ceux qui ont déjà participé au projet d'Erwan, ne sont pas obligés de participer à mon projet. Je suis conscient que les moments sont difficiles. Ce n'est pas une obligation de participer à deux projets. Alors, et ceux qui veulent participer à mon projet, de m'écrire en inbox, dans le cas contraire, je viendrai vers vous. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Alors,
j'attends que la plateforme soit prête. Parce que quand cette plateforme sera prête, alors là, les gens vont parler. Alors, je vais donner la parole aux auditeurs. On va prendre une dizaine de personnes. Merci de bien vouloir respecter les 2 minutes. Hein. On va encore revenir sur ça. Respectez les 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, je donne la parole aux auditeurs. Hein. J'ai fini de faire mon chat, mon speech, comme on dit. Voilà. Donc, la parole aux auditeurs. Vous savez comment participer. Vous m'envoyez un message. Vous m'envoyez un message en inbox. Parfait, je voudrais participer. Et je vous rappelle de suite pour pouvoir vous donner la parole. Alors, vous avez la parole. J'attends ceux qui veulent participer. Mais surtout, de grâce, de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. De bien vouloir continuer à partager le live, s'il vous plaît. D'accord? Donc, merci de bien vouloir partager le live. Et surtout, ceux qui veulent participer, c'est maintenant. N'attendez pas quand je m'apprêterai à partir de venir écrire. Parfait, je vais participer. Souvent, j'oublie même de donner la parole à tout le monde. Donc, merci de bien vouloir partager le live pour ceux qui se connectent. Et ceux qui veulent participer, le sujet, il n'y a pas de sujet en tant que tel. Vous pouvez parler sur cette jeunesse, vous pouvez parler sur le cadre du discours de Jean Ping. Vous pouvez porter un message personnel à la jeunesse. Donc, c'est vous, c'est libre. Hein. Ça, c'est un débat vraiment libre. Celui qui participe, participe sur ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de souci. Donc, merci de bien vouloir partager, mais surtout de vouloir participer, ceux qui veulent participer. Alors, vous avez à peu près 20 minutes. Je veux prendre une dizaine de personnes. Si c'est possible, j'attends encore votre demande de participation. Voilà. De grâce, n'attendez pas quand je vais me déconnecter, parce que c'est ce que vous faites souvent. C'est quand parfait part que tout le monde veut participer. Aujourd'hui, je vais terminer tôt. Je vais m'endormir. Et là, je crois qu'il y a même Yannick Ndomba qui est en live. Donc, je veux finir et le laisser continuer son live. Donc, vous avez à peu près 18 minutes pour participer, s'il vous plaît. 18 minutes. 2 minutes par personne, s'il vous plaît. Sadi me dit, je ferai un très bon animateur radio. Non, je ne ferai pas un animateur radio. Je suis un pédagogue. Moi, je suis enseignant. Je veux être simplement enseignant. Au passage, mon souhait, c'est de devenir enseignant quand je rentrerai au Gabon. Je veux enseigner à l'université Omar Bongo. Je veux enseigner à Masuku, à l'université des sciences. Je veux enseigner dans notre université d'élite des sciences. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Donc, merci de bien vouloir partager le live et merci de bien vouloir participer pour ceux qui veulent participer. Il vous reste 15 minutes. Donc, faisons vite pour libérer la ligne à Yannick. Il y a Yannick qui a lancé son live. Bon, j'espère que Jay veut participer. Voilà, il y a Rodrigue qui veut participer. Rodrigue, j'essaie, hein, ça ne passe pas. Je vais vous appeler par Messenger. Bon, les gars, ça ne passe pas, hein, ça ne passe pas. Je vous ai dit que ma plateforme est en panne. En ce moment, je ne peux pas prendre les gens en live direct. Donc, vous m'envoyez un message par Messenger. Donc, Rodrigue, tout à l'heure, j'essaie de donner de la parole. Ça ne passe pas, ça ne pourra pas passer. Je tiens à vous dire, la participation sur le live ne passe pas. Mon réseau a été surchargé, donc je ne peux pas prendre des gens en live. Par conséquent, envoyez-moi un message sur Starly Rolls Parfait. Pas Starly Rolls Parfait. Vous m'envoyez un message sur Starly Rolls Parfait EI, là. Je vous montre le profil sur lequel vous m'envoyez le message. Et je vous donnerai la parole. Vous m'envoyez le message sur ce profil-là. Regardez vous-même. Voilà. Sur ce profil-là, Starly Rolls Parfait EI. Starly Rolls Parfait EI. Vous m'envoyez un message ici. Vous dites, je veux participer et je vous rappelle. Hein? Vous m'envoyez un message sur ce profil. Starly Rolls Parfait EI. Vous dites, je veux participer et je vous rappelle, s'il vous plaît. Parce que je ne peux pas prendre des gens live. Mon système a été endommagé. C'est la raison pour laquelle je suis en ce moment en train de demander aux gens de participer pour cette plateforme. Pour pouvoir le remettre en état, mais surtout faire mieux que ce que nous avons fait au départ. Mieux! Ce sera... En fait, je vais vous faire une surprise. Non, lorsque vous allez voir cette plateforme, elle sera magnifique. Et vous allez vraiment apprécier par rapport à ce que vous aurez donné. Donc, envoyez-moi juste un message disant que je veux participer et je vous donnerai la parole. Donc, j'ai...
J'attends les messages. Donc, les gens qui ont essayé de participer, d'appeler tout à l'heure là, s'il vous plaît, renvoyez-moi. Donc, Rodrigue. Rodrigue, envoie-moi un message et je te donnerai la parole. Donc, Rodrigue, je vais essayer de te rappeler. Rodrigue. Ok. 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 Grâce, je reviens vers toi tout à l'heure, hein, d'accord? Je reviens vers toi. Donc, je disais ceci. Envoyez-moi un message. Ok, bien, c'est bon. Voilà, j'ai déjà une personne qui veut participer. Alors, je donne la parole à maman Aurélie, je crois, c'est ça. Aurélie. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. C'est à moi, mon fils chéri. Merci, merci beaucoup, maman. Bonsoir, comment tu vas? Je sors même pas, j'ai deux deuils. Il y a un qui a été enterré samedi. Et là, j'attends le deuxième deuil. Je crois que dans la semaine, on sera fixé au Gabon, bien sûr. D'accord, je comprends. Mes condoléances les plus attristées. Merci, merci, mon chéri, merci. Donc, comme d'habitude, je te suis 5 sur 5. Parce que ce combat que nous menons, c'est un combat vraiment difficile. Et c'est très bien toujours d'éveiller les consciences des Gabonais. Mmh. Tu sais, je n'ai pas. C'est pour ça que moi, j'avais choisi de nommer mon association. Donc, l'ONG Éveille-toi Gabon. Tu comprends? Mm-hmm. Éveille-toi Gabon, c'est parce que je me suis dit, mais il faut que les Gabonais. J'ai compris que les Gabonais sont passés longtemps endormis. Mm-hmm. Et je voudrais reprendre à ce garçon qui est venu te dire, que tu commandais là. Mario, je l'ai bloqué. Hein. Il ne faut pas tergiverser avec les gens comme ça. Il faut bloquer tout de suite. Non, mon fils. Il faut bloquer ces gens-là. Non, il ne faut pas les bloquer. Il ne faut pas les bloquer. Ce sont des esclaves. Il ne faut pas les bloquer. Tu es en train de faire du bon travail. Tu comprends? Ils ne sont pas nombreux dans la résistance qui font ce travail d'analyse. Tu comprends? Nous, de l'opposition ou de la résistance, nous ne leur avons jamais demandé d'aller casser quoi que ce soit. La casse qu'il y a eu en 2016, c'est eux-mêmes les émergents qui ont fait brûler l'Assemblée nationale pour mettre ça sur le dos du président Jinping. Mm-hmm. Ces enfants-là, après le hold-up électoral, ils sont allés, ils ont réagi juste parce que, en fait, ils ont voulu aller marcher, manifester, mais sans vouloir casser, hein. Parce qu'ils se rendaient déjà vers la RTG. Mm-hmm. Les gens qui ont cassé, qui ont brûlé, c'est eux-mêmes, mon fils. Parce que moi, j'ai suivi Zibi. Je te dis que c'est comme ça que j'ai analysé. C'est comme si j'avais été au Gabon sur place, au QG, le jour où ça se passait. Je n'avais pas dormi. Tout ce que Zibi nous avait dit lorsqu'il a fait sa conférence ici en France, mm-hmm. quand il expliquait leur langage bangando, là, mm-hmm. c'est ce qui s'est passé. Que M. Obama avait évité en 2009, voilà pourquoi il acceptait de laisser le pouvoir à Ali Bongo. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, que tu commandes ou que tu ne commandes pas, si tu ne commandes pas auprès de nous, peut-être qu'il se trompe, tu ne lui as rien demandé, celui-là. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Non, je ne veux pas que tu l'appelles. Laisse-le. Je vais l'appeler pour demander sa participation quand même. Faut pas. Moi, je vais demander sa participation. Il ne va pas te donner. Laisse. C'est des gens qui ne savent pas quoi faire. C'est des gens qui n'ont pas de repères aujourd'hui. Tu comprends? Ils n'ont pas de repères. Imoubou, leur champion, étant parti. Uh-huh. Ils n'ont pas de repères. Quand tu regardes bien, cet homme-là qui t'a parlé. Je pense qu'il n'habite même pas le bord de mer. Quand tu regardes bien, il doit habiter dans les mapas. Non. Je peux te rassurer, maman, c'est un esclave. Il souffre. Mais bien sûr. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour les aider à pouvoir se libérer. On les aide, notre but à nous, parce que ce que tu fais, ce que je fais aussi, quand je fais mes vidéos ou quand je fais mes publications, c'est pour les amener à changer.
réussi à sortir, nous, du Gabon, que nous voyons comment les autres vivent au Gabon. Mon Dieu, je voudrais vous demander, vous, les compatriotes, on a dit, on passe, ou ça passe, ou ça casse. Le président Jean-Ping a dit, ou ça passe, ou ça casse. Demain, nous avons déjà dynamique unitaire, je vous en prie. Il y a une marche de dynamique unitaire. Tout le Oui. monde doit se mettre derrière Très dynamique bien. unitaire. Soutenons dynamique unitaire, soyons avec eux, parce que ce qu'ils font, c'est pour tous les Gabonais. Et les forces Exactement. de l'ordre, je m'adresse Exactement. à vous. Je suis désolée, quand vous arrêtez les gens pour après leur demander 10 000 francs, 8 000 francs, 1 000 francs, 5 000 francs pour se faire, pour les libérer, vous êtes que des pauvres gens. Ça Parce que prouve ce qui se passe, ce qui se fait aujourd'hui, à suffisance que ce sont tous des esclaves c'est et que des esclaves. nous devons Mais les je te dis que libérer. ils ramassent, ils ont enfermé des gens parmi les 52 là, ils ont demandé de l'argent à. Moi je connais, je te dis ce qui m'a été rapporté par un employé de un de mes frères qui a été arrêté. Tu comprends? D'accord. Parce que le pauvre se rendait à son bureau, il se rendait à son bureau, mais il s'est retrouvé dans. Bon, c'est normal, il est allé à la manifestation. Après, son heure de travail arrivant, il a voulu se rendre au bureau, bah, à son lieu de travail. Malheureusement, il a été arrêté. Il fait partie des personnes arrêtées et on lui demande de donner 10 000 francs pour le libérer. Le monsieur a dit, ben non, pourquoi je vais donner 10 000 francs pour le libérer? Tu comprends? Exactement. Ces policiers-là que tu vois là. Ils se pavanent, ils se permettent même, les policiers comme machin, ils prennent leur camion, ils vont dans les bars. Des gens qui ont des autorisations de laisser leur restaurant ouvert jusqu'à une certaine heure bien précise, qui ont obtenu l'autorisation de fermer plus tard que les autres. Ils débarquent soit avec une soi-disante procureure. Elle dit, je suis procureure de la République, alors qu'elle travaille au tribunal. Elle est peut-être balayeur du tribunal. Tu comprends? Elle est peut-être femme de ménage au tribunal. Elle débarque avec des policiers pour aller intimider des gens dans des restaurants. Mais est-ce que c'est ça le travail des agents de force de l'ordre? Excuse-moi, mon fils. Ok, Donc, voilà. ben c'est ça. Merci beaucoup, maman, pour ta participation. De Moi, toute façon, voilà, comme l'a moi je dit, voulais dire vraiment les demain, Gabonais, n'ayez plus dynamique peur que ceux qui unitaire, voudront demain, marcher tous les demain, Gabonais derrière dynamique unitaire. derrière Et dynamique unitaire, donc, que tous ceux qui c'est ça, pourront, c'est ça le train, c'est ne ça le vous inquiétez pas, message. n'ayez pas Tous peur, on vous, derrière c'est de dynamique unitaire. l'intimidation qu'ils font, Voilà. les arrestations qui ont été faites le week-end, c'est pour vous demander de, c'est parce qu'ils veulent tout simplement que vous ayez peur de sortir à nouveau à des manifestations. Donc, vous Exactement. savez qu'aujourd'hui, nous avons la balle est dans notre camp. Ils ont Exactement. peur. Exactement. Ils ont Donc, peur aujourd'hui. Donc, tous derrière faites tout. dynamique unitaire. Et Voilà. encore merci beaucoup, maman, pour ton intervention. Merci pour ta participation Je surtout. t'en prie, mon chéri. Je t'en Merci, prie. On est merci. ensemble, on On pousse est en ensemble. serre jusqu'à la libération du Gabon. Gabonais, levez-vous. L'heure a sonné. Voilà. Merci, On s'est trop merci. amusés. Ils se Très sont bien. trop amusés avec vous. C'est terminé. Maintenant, ceux qui Merci. veulent rester esclaves, ils resteront esclaves. C'est Ils pas iront grave. peut-être Nous, en on prison. se bat pour nous libérer, que les esclaves volontaires restent esclaves volontaires. Voilà. Merci et bonne soirée. Exact. Ceux qui voudront se libérer, se libéreront avec nous. Voilà. Merci, maman. Bonne Allez. soirée, mon fils. En tout Merci. cas, je reviendrai vers toi dès que possible. Merci beaucoup. Alors, donc là, cette fois-ci, on va donner la parole à un autre jeune, hein? Donc, on va donner la parole à un jeune particulier, hein? Un jeune vraiment très particulier, parce que lui, c'est le genre de jeune il était bel et bien sur le front le jour de l'attaque, hein, du QG, d'accord? Comme il s'agit de la jeunesse, on parle de la jeunesse, et il est concerné, hein, c'est la raison pour laquelle je vais donner la parole à ce jeune. Il aura aussi ses 2 minutes et il va dire ce qu'il a à dire. Donc, Adama, j'espère que tu es disponible. Après toi, je donnerai encore la parole à un autre jeune qui était justement aussi au QG. Et là, ce sont les rescapés, hein, les gens qui ont pris des balles, des bombes qui ont éclaté. Et tout. Donc, je vais donner la parole à Adama. Adama, ne quitte pas, je te donne la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bon, parfait. excuse-moi un instant. Je vais d'abord répondre à Elsa. Elsa me dit, parfait, on va tous arrêter de suivre tes lives vu que tu ne veux pas bloquer les émergents. Alors, Elsa, je vais te répondre en te disant ceci. Premièrement, mes lives, je les fais pour les Gabonais. Les émergents, ce sont des Gabonais.
Je ne fais pas de différence. Je le fais pour les Gabonais. Mon but à moi, c'est de sauver tout le monde. Ceux qui veulent être sauvés seront sauvés. Ceux qui ne peuvent pas être sauvés resteront. Je ne suis, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, mon message, c'est pour tous les Gabonais, émergents ou pas, pédagogistes ou pas. Ce sont des Gabonais. Vous voyez bien que ce jeune Mario-là souffre. C'est un esclave. Vous ne compatissez pas. Moi, je compatis pour lui. Il y a Mario l'esclave. Il y a Jeff l'esclave en chef. Il y a Iboga Power l'esclave en chef. Ils sont nombreux, des esclaves. Mais comment, ne voyez-vous pas qu'ils souffrent déjà assez? Ils ont besoin d'exister quelque part. Ils ont besoin qu'on prononce leur nom. Ils veulent exister. Donnons-leur cette possibilité. Sinon, ils vont se suicider. Si je bloque Mario, il va se suicider. Maintenant, Jeff, il se plaint dans tous les lives des activistes que parfait l'a bloqué, parfait l'a traité d'esclave. Mais vous voulez qu'il se suicide? Je ne veux pas avoir la mort d'un émergent sur ma conscience parce que je l'aurais bloqué dans mes lives et qu'il serait allé se suicider. Je ne veux pas ça. Ce sont des esclaves. Faut pas les emmener au suicide. Donc, il faut les laisser. Il faut les laisser. D'accord? Donc, Ouattara, on t'écoute. Voilà. Bonsoir, parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, bon. Moi, je voulais un peu intervenir là, voilà, par rapport au message que le frangin vient de faire passer là. Parce que nous sommes jeunes, les de ma génération. Voilà. C'est vrai que moi, je suis au Gabon. Bon, j'ai eu cette chance d'être au Gabon vu ce qu'on a subi le 31 août au QG. Voilà. Donc, les conditions nous ont plus permis d'être au Gabon. Voilà. Bon, moi, ce que je tenais à dire par rapport au message que le frangin a fait passer. Le message n'est pas mauvais, hein, parce que... Non, il n'est pas mauvais. Le message voilà. Est très éloquent. D'abord, il parle avec beaucoup voilà. D'éloquence. Hein? Il est vraiment maître dans son discours. Oui, oui. Moi, j'ai vraiment apprécié son discours. Mais bon, après, ce qu'il a dit après, bon, que j'ai pas apprécié, c'est quand il a dit après, on nous demande d'aller casser. Mais moi, je pense que... Moi, j'ai plusieurs fois assisté à beaucoup d'élections au Gabon, hein, même en 2016. Voilà. Ce qui concerne l'opposition, ils ne nous ont jamais demandé d'aller casser. Mais par contre, ce sont ces émergents, parce qu'en tête au Gabon, là-bas, effectivement, ils ont je pourrais te parler de, voilà. Comment il s'appelle, le général du MAPA. Nous savons qu'ils avaient une brigade qui a fait ce travail-là. Nous savons voilà. Déjà. Donc, nous savons même les éléments qui ont participé à ce travail-là. Donc, on te laisse voilà. Parler. Voilà, donc c'est lui qui passe le temps à organiser les petits groupes au Gabon là-bas pour faire du n'importe quoi, pour aller casser et après pour mettre ça sur le dos des opposants. Parce que même à l'heure actuelle, là où je vous parle ici, c'est vrai que je ne suis plus au Gabon, mais bon, je suis toujours en contact avec beaucoup de jeunes au Gabon. Moi, je leur incite toujours, je leur demande toujours de se lever, de ne pas rester chez eux. Parce qu'aujourd'hui, la libération de notre pays est proche et on a besoin de la participation de tout et chacun. Parce que le travail que le président Jinping fait aujourd'hui, le président Jinping a fini. Hein, et moi, j'incrimine toujours ces jeunes qui passent le temps à dire que voici les enfants de Jinping. Moi, je leur ai toujours dit, laissez les enfants de Jinping en dehors de tout ça. Les enfants de Jinping, eux, ils ne souffrent pas. C'est nous qui sommes les enfants, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui sommes les landales. C'est-à-dire, nous, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir des parents qui sont des ministres, qui sont des voleurs comme la bande Ali Bongo. Donc, quand on demande aujourd'hui aux Gabonais de se lever, il faut se lever. C'est-à-dire, n'ayez plus peur. Et aujourd'hui, même si on t'arrête, moi, aujourd'hui, si j'ai perdu ma vie, c'est pour la bonne cause. Moi, quand je me suis levé le 31 août, je suis allé dans la rue, j'étais au QG. Moi, même si je partais pour la bonne cause. Mais je pouvais dire que, bon, aujourd'hui, voilà, ça ne me concerne pas, je restais chez moi. Mais je ne l'ai pas fait, parce que même là où même le 31, ma mère ne savait pas où moi j'étais. Elle ne savait pas, mais je me suis levé. Pourquoi je me suis levé? Parce que je me suis dit qu'il faudrait que les choses changent. Parce que nous sommes fatigués, ça fait 60 ans. Nous sommes gérés par une même famille, par un même système, par les mêmes personnes. Nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas venus sur Terre justement pour les accompagner ou accompagner leurs enfants. Non, nous aussi nous sommes appelés aujourd'hui à peut-être apprendre dans les établissements où leurs enfants apprennent. Venir aussi apprendre à l'étranger parce qu'il n'y a pas que leurs enfants. Donc moi, ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'est je voulais aussi faire passer un message à nos jeunes frères au Gabon, c'est-à-dire les travailleurs et non-travailleurs et les étudiants, de se lever, de soutenir Dynamique Unitaire, de soutenir l'action que Dynamique Unitaire fait aujourd'hui. Et n'aie plus avoir peur de ces policiers, de ces intimidations-là qui ne doivent pas avoir peur de ça, ils ne doivent pas céder à ça. Voilà, donc moi, c'était le message que je tenais à faire passer. Merci beaucoup, merci beaucoup, voilà, Ouattara, merci.
Merci beaucoup, on est ensemble. Alors, donc je tiens à Merci. rappeler aux gens que Ouattara est un rescapé du QG, d'accord, qui vit ici en Turquie avec moi. Et voilà, donc il sait de quoi il sait. Il a pris dans sa chair, hein, il a pris dans sa chair. Donc je sais de quoi je parle. Alors encore merci Ouattara pour avoir participé. Merci, c'est moi qui te remercie, c'est parfait. Alors on va donner la parole à une autre personne là, un autre rescapé du QG. Hein. Là on va commencer par les rescapés du QG. Donc le rescapé, je donne la parole dans très peu de temps. Donc j'ai demandé d'envoyer à Starly Rolls Parfait et Yi la demande de participation. Et là, je regarde, je ne te vois pas. Envoie-moi un message sur Starly Rolls Parfait et Yi, s'il te plaît. Stan, sur Starly Rolls Parfait et Yi. Envoie-moi le message là-bas et je te donnerai la parole. Donc j'attends le message là-bas. En attendant, je vais prendre une autre personne. Alors, Elvis, tu vas avoir la parole. Hein? J'espère que tu es disponible. Alors, je demanderai déjà à ceux qui sont là connectés de bien vouloir partager le live. Mais quand on se connecte, on partage. Quand on se connecte, on se partage. Donc, la bande à Mario, à Jeff et autres, là, Ibuga Power, partagez le live. C'est important. Donc, partagez le live. N'hésitez pas de partager. C'est important. C'est pour le peuple gabonais. C'est pour la jeunesse gabonaise. Nous sommes tous jeunes et nous devrions partager le message pour les jeunes gabonais. Voilà. Alors, Elvis, bonsoir. Allô? Alors, tu as la parole, on t'écoute. Arrête le live de Allô? ton côté. Arrête le live de ton côté, s'il te plaît. Arrête le live de ton côté et prends juste la parole. Ok. Bon. Bonsoir d'abord, parfait. Bonsoir, bonsoir, Elvis. Ok. J'ai suivi, là je suis connecté, je vois le message que le petit, ce jeune Gabonais est venu faire passer sur les réseaux sociaux. Moi-même qui te parle là, en 2016, j'étais dehors. Tu sais, j'étais dehors toute la ligne des PK là. Au niveau du PK7, ce qui s'est passé au niveau du PK7 là, au petit marché, au magasin qui aujourd'hui qu'ils ont réfectionné là. Les gens qui ont cassé ça demandent à la population du PK7 qui sont les victimes, qui sont les gens qui ont été victimes du cassage de ce magasin. Ce n'était pas nous les citoyens, c'était eux-mêmes les policiers. Les je ne sais pas si c'est des Je vais policiers, en aller, tout cas des mercenaires si qui tu me sont arrivés permets là même, avec je me rappelle, il y a les vidéos encore, des je pense que pas voitures de blanches. colis, pas de colis dans les Voilà. avoirs, parce que je me rappelle sur la plateforme de pas de Ils sont colis à arrivés l'époque, avec des. pas de colis à les vidéos Ils sont arrivés avec des. avec des Ils sont pick-up. arrivés avec des voitures blanches Oui. pour s'accaparer du matériel qui était dans ce magasin. Voilà. Nous, on était là, on les voyait très bien. Très Pendant bien. qu'on j'étais sur la colline qui est vers la ligne qui va vers. Qui écrit les barres des paliers, si c'est palier aligné là. Nous, on était vers là-bas. On les voyait en train de charger du matériel dans leur voiture. Des télévisions, congélateurs, tout ce qui est matériel important. Ce n'est pas. Nous, quand nous sommes sortis en 2016, nous ne sommes pas sortis normalement pour casser. La première chose, quand les Gabonais sont sortis, ils n'ont pas commencé à casser. Il faut pas que les gens se mettent des choses n'importe comment. Nous, quand nous sommes sortis directement sur la route. Et la preuve en est qu'il était déjà nuit. Il faisait nuit, donc la plupart des magasins avaient fermé. On connaît comment les magasins sont au Gabon, c'est la sécurité totale. Ils venaient avec des masques, des masques. Tu vois des militaires, ils ont des masques. Ils font quoi avec ces masques-là? Ils détruisent les cadenas des magasins, ils se mettent à rentrer à l'intérieur, s'accaparer du matériel et venir dire que c'est les pauvres Gabonais qui sont sortis pour aller casser. Nous, on n'était pas sortis pour casser. Tu vois. Donc, c'est comme on disait, c'est une stratégie que les émergents mettent toujours en place. Après, je suis sorti par là, je suis quitté par là, j'ai pris un raccourci pour sortir Vinzaillon. Le 6e arrondissement est l'un des arrondissements qui a foutu le bordel au niveau de cette mobilisation-là. Le 6e. Parce que là-bas, c'était la catastrophe. Voilà. Donc là. Donc, le message que le petit là vient faire passer, c'est un grand message.
Il ne vient pas là pour parler de lui-même. Il vient là pour donner. Normalement, il parle un peu dans. Je peux dire ça comment? Il parle en parabole. Il fait genre un discours caché, quoi. Oui, Voilà. on a compris Parce ça. que On a compris, ce on a qu'il est en compris train le de dire, message. c'est pour vouloir dire aux gens que nous sommes devenus conscients. Il veut dire par là que nous, les jeunes, nous sommes devenus conscients de nous prenez plus pour des enfants qui adoptent seulement la rue pour vouloir détruire. Aujourd'hui, nous ne voulons plus détruire. Aujourd'hui, nous voulons construire un nouveau Gabon. C'est clair. Aujourd'hui, nous voulons. Voilà, c'est ce qu'il veut dire par là. Qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus être les enfants qui ramassons les malédictions partout parce qu'on arrache des téléphones, on arrache. Non. Nous voulons aussi avoir une vie meilleure. Qu'on puisse nous donner un emploi quelconque, qu'ils puissent avoir de l'emploi. Imagine par exemple qu'aujourd'hui, si le Gabon a de l'emploi un peu de partout, on embauche des petits par là, ça va diminuer la délinquance au Gabon. Ça diminuera la délinquance au Gabon. Les gens font parfois des danses parce que, comme il dit, y a des gens qui ne s'en sortent pas, qui ne mangent pas bien, qui souffrent. Le mapa, nous, il reste là, c'est vert. Ça, c'est le bas-fond, là, c'est vert. Dragage, ce bas-fond là où il est là. Ce sont des bas-fonds qui s'inondent, les ponts là, les petits ponts là. C'est des ponts qui s'inondent à chaque moment. Hein? Si tu vois la route en ce moment vers Dragage, mais c'est du bordel. Quand il pleut là-bas, c'est la catastrophe, c'est total. Donc, il veut faire passer un message en disant là qu'il est temps maintenant que il veut dire par exemple à tous les gars, à tous les Banganos qu'il n'est plus temps seulement de vouloir braquer ou bien vouloir faire du désordre en bordure des routes. Il est temps maintenant que nous prenons conscience que aujourd'hui c'est notre Gabon. Le Gabon va très mal. Hein? Il est temps maintenant que nous puissions nous lever et vouloir ensemble renouveler ou bien Reconstruire, refaire, reconstruire le Gabon. réfectionner ce Gabon-là. Reconstruire le Gabon. Voilà. Merci, Tu vois. merci vraiment Donc, beaucoup faut pour. pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas que les gens viennent parler. C'est vrai, il a un terme pour dire casser, mais je ne suis pas sûr que quand nous sommes sortis, la première idée était de vouloir casser. Non, Merci, la merci. première idée que nous avons eue, c'était de se retrouver tous à la Cour constitutionnelle où se trouvait, où Marie-Madeleine avait fait, avait élu ce stupide des présidents-là. C'est là, Merci. c'est la première idée où tout le monde voulait se retrouver. Mais ils ont anticipé avec les militaires un peu de partout. Nous, ce n'était pas pour casser les magasins. Ça veut Merci. dire que les idées-là étaient déjà avec la loi, avec l'armée, puisqu'on les voyait avec des masses. Avaient des masses sur eux pour détruire des cadenas et autres. Et ils viennent dire que c'est la population. Ça, c'est du n'importe quoi, ça. En tout cas, pour ceux que dit dynamique unitaire, ne t'inquiète pas. Les gens s'iront demain. Merci. Les gens seront demain là où dynamique sera. Ne t'inquiète pas. Les Merci. Gabonais n'ont plus peur. Tu vois, à force de nous tabasser, c'est comme un enfant. À chaque fois que tu le tortures, tu le tapes, tu rends l'enfant plus têtu. Aujourd'hui, la plupart des Gabonais n'ont plus peur de mourir. Hein. Faut pas suivre. Merci. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont plus peur de mourir. Parce que moi, je préfère être enterré hein, que de vivre dans ce que le Gabon est en train de vivre là aujourd'hui. Tu comprends? Il y a beaucoup de Gabonais qui ont dit qu'ils préfèrent laisser leur vie, quoi, que de continuer à souffrir dans un pays où les gens ne veulent pas réellement, voilà, ne se soucient pas d'eux. Quand on ne se soucie pas de la population, voilà, on prend la population comme de moins que rien. Bon. Les gens sont obligés de faire comme ils se doivent. Donc, t'inquiète, il y aura du monde, il y aura des gens demain à Donc, dynamique unitaire. Et ça, encore. j'étais dit au courant. Les gens ne sont plus là pour les. On s'en fout. Là, même, je vais te parler aussi de l'armée, parce que moi, j'ai des oncles dans la GR. Hein. Il y a des policiers, certains gars de la GR qui ne sont plus d'accord du système. Moi, j'ai des oncles que je ne veux pas te donner, j'en ai deux là-bas. Mais laisse, il y a des choses qui se préparent aussi au niveau de l'armée. L'armée que tu vois là, c'est plus tout le monde qui fait dans le système Bongo. Beaucoup sont en train de prendre du recul. Ils font seulement encore voilà, dans du flou. Mais après, forcément, ça va se sentir. L'armée va forcément se diviser. L'armée que tu vois là, l'armée va forcément se diviser.
en montant des sangs. Donc c'était ça un peu mon message, en tout Merci cas. beaucoup Elvis, Bon, merci pour ta participation. voilà. Merci beaucoup. Alors passe une Voilà. bonne soirée. Merci. Merci. Voilà, donc là je donne la parole à un autre rescapé. Bon, le rescapé, moi je t'appelle, hein. Je t'appelle. Voilà, donc je suis en train de t'appeler là. Donc, tu découvres, tu décroches, tu dis ce que tu as à dire. Voilà. Si tu veux participer. Si tu veux participer, je t'appelle là. Allô, bonsoir. Bonsoir, parfait. Tu as l'air en pleine forme. Ah, toujours, toujours, toi aussi. Je suis quand même venu à Istanbul. J'ai passé 2 jours avec vous, 3 jours. Hein. Je me suis, c'est pas 2 jours, je me suis reposé un peu. Voilà, donc ah, là, okay, je c'est suis très bien. En pleine Ça fait forme. plaisir de te voir en forme. Voilà, donc, Ça me fait alors, plaisir. tu avais des choses à dire par rapport à ce qui se passe? Alors, on t'écoute. Non, j'ai pas trop grand-chose à dire parce que presque le frère a tout dit tout à l'heure. Voilà. Et je trouve que moi, la seule personne que j'ai envie vraiment de reprendre, c'est un peu Ibo Gapa. Tu sais qu'il a été le connaissible de classe de mon père, à Bessieu. Il n'a jamais été un gars brillant, donc ce qu'il est en train de faire là, il a toujours fait ça. Donc, ne te prends pas la tête pour lui, quoi. Ça a toujours été un gars qui partait dans tous les sens, quoi. Donc, il a toujours été bête. Il a toujours été comme ça, donc... Attends. Il a appris à Bessieu. Attends, évitons de jouer avec les mots. Il a toujours été comment, bête ou bien brillant? Il a toujours été comme ça, il partait dans tous les sens. Non, attends. Quand on dit que tu n'es pas très brillant, donc, tu sais, attends, un instant. Tu sais, quand les condisciples d'Ali Bongo avaient dit qu'Ali Bongo n'était pas très brillant, il n'était pas très... Donc, Ibo Gapeur n'était pas très quoi? Il a toujours été bête, c'est ça? Un bête, voilà, bête. Donc, ne te prends pas la tête pour lui, tu vois. Ne te prends pas la c'est pas tête. Grave, ce c'est que pas tu grave. Es en train de faire, c'est important. On te suit. C'est bon, pas grave. Tu peux intervenir pour insister. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a été éduqués. Et puis, bon, voilà. Continue à faire ce que tu fais. On va te soutenir au mieux qu'on peut. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et je t'écoute au Gabon. Merci. Et je t'écoute, tu vois. Et c'est bien. On a besoin de ça. Même si nous, on ne peut pas faire comme toi, mais de temps en temps, t'écouter, partager le live, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Je regarde, quand je regarde les commentaires que les gens balancent là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont là. Je connais beaucoup, ils veulent participer, mais ils ne peuvent pas. Ils ne je peuvent comprends. Pas. En tout cas, moi, je suis content voilà, que tu t'es bien reposé parce que tu faisais peur. Attends, on m'avait pris en chaud. Vraiment, merci. Ils ont voulu, en tout cas, quand tu veux, ils ont voulu m'amener au bar. Tu reviens encore à Istanbul et on va faire... Là, en on tout va cas, aller en Italie, on va aller se faire plaisir. Merci, là-bas. Merci on beaucoup. Écoute bien de choses encore et salut tout le monde du Gabon là-bas et tous ceux qui nous regardent du Gabon de partager le live. En tout cas, merci, merci beaucoup. Merci pour ta participation. Merci. Voilà, donc voilà un autre rescapé du QG, d'accord, qui est ici à Istanbul avec nous. Donc, voilà. Quoi? Rosa dit quoi? Je suis quoi? Ah, et oh, Rosa, easy toi, Rosa. Sinon, je vais te clasher en plein live là. Bon, bref. Donc, on revient alors sur une autre personne qui veut participer. Bon, écoutez, hein, Ibo Gapa, on a dit qu'il n'était pas très brillant. Donc, bon, bref. Moi, je ne fais que rire par rapport à ça. Voilà. Qui d'autre voulait participer? Hein, qui d'autre voulait participer? La parole est libre. Hein, c'est bon là, vous pouvez participer. Tous ceux qui veulent participer, la parole est libre. Il y avait Rodrigue. Ah, il y a mon pote Vianney. Vianney, envoie-moi un message, s'il te plaît. Envoie-moi un message sur Starly Rolls Parfait EI. Sur Starly Rolls Parfait EI. Pas sur le profil sur lequel j'ai fait le live. Starly Rolls Parfait EI. Hein, mon ancien profil. C'est là où tu m'envoies le message et je donnerai la parole. Vianney. Voilà, on a une autre personne qui veut participer. On va donner la parole à la personne. Hein. Vite fait. Donc, Ovenga, tu prends la parole tout de suite. Donc, on est ensemble. Donc, Ovenga, je te donne la parole. Partagez le live. Hein. N'hésitez pas de partager le live. C'est la parole aux auditeurs. Donc, c'est les Gabonais qui parlent. Hein. C'est les Gabonais qui parlent. Jusqu'à ce que nous ayons notre plateforme. Désormais, ce sera beaucoup plus intéressant et plus sécurisé. Ovenga, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Toujours.
surtout la pêche. Donc, alors, tu as des choses à dire, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde d'abord. En fait, bon, là, mon message va directement au Bangando parce qu'on se connaît. Ah, voilà. On t'écoute. Bon, les fameux Ndosso, les Bangando, les Goudroni, vous allez sissi à tout le niveau. Maintenant, vous attendez. Votre fameux genre Wise, que non, vous êtes Wise. C'est maintenant là, on a besoin de vous. Allez maintenant, Poula, vous connaissez les gens de qui on parle. Allez-y, les Poula. C'est pas seulement Poula, les matières dans le pivot, Poula, les Bindi, machin, vous voulez jouer les Wise. Allez-y maintenant, vous taillez, vous cobolisez, vous allez finir le Mapan, c'est comment? Sortez maintenant dans les streets, on veut vous voir, non? Avec vos petits jeans, vos casquettes, falling toujours, machin. Sortez maintenant dans les rues, on a besoin de vous. Sortez dans les rues. Non, c'est vrai, Frangin. Il veut jouer les courageux, non? L'autre a pris 3 balles, je sais pas, hier soir, il voulait jouer au Kinda, il voulait se battre avec 3 gars. Qui sont armés. On a besoin de cette folie-là. Ils ont qu'à descendre sur le terrain maintenant. Mais attends, justement, quand on parle de ça, parce qu'il faut bien orienter le message. Nous ici, non, mais c'est pour eux. Voilà, puisque eux ils estiment, parce qu'il y a un qui a parlé, il a dit qu'on les envoie, c'est nous qui les envoyons aller casser. Et depuis que nous faisons notre travail, nous demandons aux jeunes, nous avons demandé aux gens de rester à la maison, ils ne sont pas restés chez eux. Nous demandons aux gens de s'organiser. Nous demandons aux gens de marcher. Je n'ai pas dit casser, eux-mêmes ils ont compris, ils savent de quoi on parle, ils sont en danger, ils savent ça. Puisqu'ils sont courageux. Tu regardes les vidéos des Bangladesh où les gars speakent. Les gars speakent quel mouvement. Il y a un inter qui est derrière la caméra, il est en train de leur donner les mots, non, dites ça. Ça c'est les petits gringos. Ça c'est les petits, on leur a donné peut-être 2 feux et 3 feux chacun, ils vont aller s'y plaindre avec, après quoi. En tout cas, pour moi, quoi, Makaya, moi, je suis au Panama. Moi, j'ai enlevé le corps de pluie, mon frère. Je suis là, moi, je vais seulement descendre au bled avec ma Ouattara. Tu vois, non, c'est bien, on calme, fort. Mais ils vont pour la ta Ouattara? Non, laisse ça, mais c'est là où on se poula directement. Comme ça que Ouattara ne touche pas à sa fille, non. Ils vont voir le Nien White descendre dans la street, c'est là, ils vont se wise. Mais par rapport à ça, parce que le problème ici, ce n'est pas de créer des envieux. Nous voulons justement que tout le monde puisse avoir soit sa Ouattara, soit sa Gaboma, mais en tout cas que tout le monde puisse être heureux. Quel est le message que tu passes justement à ces frères? Qui tu sais très bien, si aujourd'hui pour là, les mamans, ils pour là, nos petits frères, ils pour là, les matères et tout ça, c'est parce que justement, on ne leur a pas donné la possibilité de pouvoir se donner notre avenir. Alors qu'est-ce que toi tu dis à ces jeunes-là? Justement, le moment aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là puissent se prendre en charge dans la dignité humaine. Qu'est-ce que toi, tu as à passer comme message à ces jeunes-là? Bon, là, je vais parler normalement. Bon, maintenant, en fait, les jeunes, c'est quoi? Le message est simple. Là, on parle, moi, j'ai 35 ans. Moi, je peux dire que moi, je suis en train de finir déjà ma life. Donc, le message va aux plus jeunes. Donc, à partir même de 16 ans, parce qu'il n'y a pas d'âge en politique. Il faut aujourd'hui que tous les jeunes s'intéressent maintenant à la politique du pays parce qu'il faut bien assurer nos arrières. Donc les jeunes doivent aujourd'hui sortir, ils doivent manifester, c'est leur avenir. Hein. Ping lui va venir, il passe, si on arrive à le placer, il prend un mandat, après il bouge. Donc on veut juste le temps qu'on trouve une autre bonne personne. Le truc c'est que les jeunes dorment, mais j'ai confiance parce que là normalement ils ont suivi le mouvement, tout le monde a écouté le message de Ping. Donc sortez les jeunes, sortez et puis exprimez-vous. Exactement. Donc encore merci beaucoup pour ta participation. Merci vraiment pour ton message. Encore merci et bonne soirée. Ok, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ok, donc la règle, hein, vous la connaissez, vous participez, vous partagez, vous connectez, vous partagez. Il faut que tous les jeunes du pays, je parle ici même des gars que vous connaissez au pivot, les petits braqueurs que vous connaissez, ils doivent recevoir ce message. Ce message leur concerne. Ce message, c'est pour eux. Quelqu'un m'a posé la question, c'était quoi le but de ce live? Ce live, justement, était dans le but de pouvoir conscientiser la jeunesse gabonaise. Cette jeunesse utilisée seulement pour des bassesses du pouvoir. Et donc, c'est ça le but de ce message. Alors, vous avez la parole. Hein. Ceux qui veulent participer, vous m'envoyez juste un message. Je voudrais participer. N'écrivez pas, n'appelez pas sur le live. Je ne peux pas recevoir des personnes, permettre aux gens d'intervenir parce que je n'ai pas de bande passante. Ma bande passante est piratée. Donc, vous ne pouvez pas prendre la parole
sur le live, mais vous pouvez appeler par Messenger. Voilà pourquoi il faut mettre en place cette plateforme que je suis en train de préparer. J'aurais espéré que vendredi, elle soit prête. Mais malheureusement, les donations n'ont pas encore été ça. J'attends que les gens puissent se manifester. Alors, j'ai donné encore 10 jours pour que ceux qui veulent bien participer à ce projet très important puissent le faire. S'il vous plaît, n'hésitez pas de participer. C'est pour notre combat, c'est pour le bien. Et encore, je tiens à dire aux gens ceci. Le PDG est sous silence. Attention, il nous prépare encore un coup encore plus grave que les deux vidéos qui nous ont sorties. Ça, je préviens déjà vous prévenir. On nous a déjà fait vendre ce qui arrive, mais on ne peut pas encore en parler. Il nous prépare un coup encore plus grave que les deux vidéos. Voilà pourquoi ils sont sous silence. Au moment où je vous parle, tous sont au Maroc. Il nous prépare un truc au Maroc encore plus grave que les vidéos. Alors, si la plateforme n'est pas prête à pouvoir analyser, à pouvoir se préparer pour ça, à pouvoir permettre aux gens de s'exprimer, à pouvoir permettre aux gens de dire ce qu'ils pensent, à pouvoir éveiller les consciences, on va s'asseoir seulement sur nos fesses. Donc, lorsqu'on demande aux gens de participer, ce n'est pas de la mendicité, je ne mendie pas. Je n'ai pas les moyens de pouvoir offrir, acheter ce matériel-là. Et voilà la raison pour laquelle je viens vers vous. Pas plus tard qu'il y a ça, 2 jours, j'étais à Istanbul justement pour voir tout ce matériel-là. J'étais avec Ouattara qui a parlé tout à l'heure là. J'étais avec Stan qui a parlé tout à l'heure là. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là pour nous organiser pour ça. Alors on demande aux gens de pouvoir participer, c'est pour le bien du pays. Ce n'est pas pour fêter les Noëls. On n'a pas besoin de fêter Noël. Nous voulons construire quelque chose qui pourra nous permettre de travailler. C'est pour nous tous qu'on le fait. Donc, je demande à ceux qui se connectent là, non seulement de partager ce message, mais je demande à ces personnes de revenir vers moi, s'il vous plaît. Ceux qui veulent participer à ce projet, qui veulent donner leur contribution, s'il vous plaît, de grâce, n'attendez pas que je vienne vers vous, parce que je vais venir vers vous. Je vais vous appeler. Je vais vous harceler à la limite. Ce n'est pas grave, même si on me taxe de mendiant, ce n'est pas un souci. J'accepte d'être mendiant pour mon pays que de le voler. Alors, merci pour ceux qui partagent le live, merci pour ceux qui sont connectés, merci pour ceux qui donnent leur contribution, merci pour ceux qui ont pris conscience de cela. Alors, on continue à donner la parole aux gens. Vianney, tu vas prendre la parole, je t'appelle de suite, tu vas prendre la parole. Alors, Vianney, je te donne la parole tout de suite. Je te donne la parole. Ok, on t'écoute, Vianney, bonsoir. Oui, bonsoir, parfait. Voilà. Ça va bien? Ça va toujours bien, j'ai la pêche. Ouais, mais aujourd'hui, t'as particulièrement plus de pêche que d'habitude. Aujourd'hui, mes potes, ouais. Mes frères à Istanbul m'ont amené manger. J'ai mangé le... C'était quoi? Ouattara a mangé quoi? Le porc épic hier. Vous imaginez le porc épic en Turquie? Mais ouais. C'était incroyable. Il y a une maman gabonaise pour nous remercier pour ce qu'on fait comme travail. Elle a dit, je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais viens à la maison, je vais vous faire le porc épic. J'ai mangé le porc épic hier. Et ça m'a donné la pêche, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc, on t'écoute, Vianney. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Alors, moi, je suis là, même si de mon côté, ça chauffe beaucoup, côté études, là, école humaine. C'est la fin de trimestre, oui. Donc, voilà. Mais je suis toujours, même quand je bosse, je suis le live en même temps. Aujourd'hui, j'ai voulu intervenir parce que c'est très important, la partie du sujet, le live aujourd'hui. Le live est centré sur la jeunesse, oui. En se basant sur la vidéo d'un jeune qui était propagé par les gens d'en face. Mm-hmm. Et
fait des erreurs, ces petits-là, ils vont nous corriger. Lorsqu'un grand frère a répété, il a redoublé l'école, les classes, et que le petit frère le rattrape, il se dit, ah, s'il est conscient. Il se dit, non, maintenant, je ne peux plus blaguer. C'est pour dire, je dis, je prends tous ces exemples pour faire ressortir l'importance de la jeunesse, l'importance de ceux qui sont derrière. Ceux qui sont derrière, pas par rapport à nous, mais par rapport à ceux qui sont devant, qui ont géré le pays avant nous. Et nous sommes tous cette jeunesse. Et c'est vraiment important de mettre l'accent sur eux. Et particulièrement, la jeunesse qui est dans le caniveau, donc les bangando, les ndos. Moi, je ne suis pas un bangando, mais je suis un enfant qui ne vient pas d'une famille de bourgeois. Donc, j'ai grandi dans le pivot. Je n'ai le pivot. Quand je suis au bled, je suis au pivot avec le nos, la nuit. Le matin, je suis dans mes ouais, comme on dit dans la rue, mes ouais fort. Mais le nos du pivot, tous les jours, tu vas seulement tchouk les gens dans le madouaka. Tu vas toujours pouler les gens dans le madouaka. Tu vas te dire que toi, tu as un nos, tu es un Kinder Boy. On ne fait pas ça avec toi. On tente, tu détentes. Qui te teste, tu détestes. C'est ça les trucs dans la rue. Mais aujourd'hui, on a besoin de toi. Parce que j'ai vu, il y a le frangin de tout à l'heure, il a dit beaucoup de bonnes choses, mais il a dit quelque chose qui m'a. Je suis sensible au détail. Il a dit, il a, je crois, 35 ans, et il a dit, moi, je peux dire que je suis en train de finir ma vie. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Mais ça ne fait que traduire une réalité. La réalité du Gabonais, quelle est l'espérance de vie dans notre pays? Et non seulement l'espérance de vie réduite, mais la jeunesse ne peut plus rêver. Rêver, c'est se projeter dans l'avenir. Donc, ce qui fait qu'un gars de 35 ans, sa projection est déjà trop même, c'est bloqué. Et c'est, je dis au Bangando, que le Bangando, voilà l'occasion maintenant aujourd'hui pour qu'on se libère, pour que même toi, qui au pivot, tu aies la chance de voyager. Tu aies la chance de te réaliser. Même si tu ne sors pas du Gabon, que tu aies la chance de te réaliser là où tu es. Exactement. Avec ton inspiration, avec ce que Dieu a mis en toi. Sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un pour aller porter un t-shirt, pour avoir un sale 5000 francs. 5000 francs. 5000 francs à cause de 5000 francs. Moi, je ne suis pas enfant de ministre, mais 5000 francs, parfois ça ne paye, ça n'assure même pas mon budget de la journée. Ça n'assure mais rien. Ça n'assure rien déjà. Ça n'assure absolument rien. Ça n'assure rien. Ça n'assure rien du tout. Donc, arrêtez de vous contenter des détails alors que tu peux te tailler la part du lion. Exactement. Tu peux te tailler la part du lion. Et la part du lion, ce n'est pas dans la maison. La part du lion, tu peux te la tailler, mais c'est dans la rue. Dans la rue, pas pour aller casser. Pas pour aller casser, mais pour sortir, pour montrer que toi, tu comptes. Que tu es présent et que tu soutiens ceux qui veulent emprunter une bonne direction qui est favorable à ton développement, à ton épanouissement en tant qu'être humain. Merci. Parce que tu ne dois même pas seulement te limiter en tant que Gabonais. Moi, je ne me vois pas comme seulement Gabonais, je me vois comme un être humain, citoyen du monde. Dieu m'a créé pas pour me limiter au Gabon. Mais pourquoi toi, on va t'enfermer au Gabon? On t'enferme même pas au Gabon, il y a d'autres, on les enferme dans leur pivot. Aller dans un autre pivot, c'est un... Moi, je connais des frangins LBV. Hein. Quand je suis LBV, hein, le frangin, on se rencontre dans le Banks. Demain, tu vas me voir avec dans les Wayfords. Je connais des frangins, je connais la réalité du terre-terre. Sur le terre-terre, il y a des frangins pour trouver 200, pour trouver un taxi-bus. Aller, un taxi-bus retour, c'est compliqué. Mais frangin, tu dois avoir honte. Mais tu te prends pour l'endos parce que chaque fois, tu peux pouler. Tu as 5000 francs, tu vas boire, tu vas prendre une petite, tu vas à l'Angas, à la maison, dans une maison qui n'est même pas la tienne. Tu vas Angas, des nouvelles filles. Les jours dans la maison de ta mère et de ton père, c'est un manque de respect. Ça, c'est même les malédictions. Développe-toi, bats-toi pour ton avenir. Arrête. C'est clair. Au fait, ça, au fait, frangin, je te dis que moi, j'en ai marre et puis j'ai mal. J'ai mal, surtout pour mes frangins. Moi, je vais arrêter de dire exactement de quel pivot je viens, mais moi, je suis un enfant de Matiti et mes parents se sont battus du bas jusqu'à là où ils sont avec toute leur fierté. Et aujourd'hui, je suis là où je suis, par la grâce de Dieu, avec le soutien de mes parents. Mais il y a des gens qui viennent de là où je viens, ils n'ont jamais eu cette grâce, ils n'ont jamais eu cette chance. Exactement. Alors qu'il y a des plus talentueux que moi, que je connais. Il y a une fille fan que je connais, Fillette, qui est une fille du pivot. Depuis, c'est ma mère qui a aidé ses parents pour l'inscrire au CP1.
l'enfant de Matiti, il ne mangeait, il mangeait parfois même le chat, leur propre chat, il mange le chat, il n'y a pas autre chose. Oh, le ministre. Mais bon, petit, donc, ça c'est la bonne bouffe, ça. C'est la bonne bouffe, mais c'est la bonne... C'est avec eux que je sais maintenant comment on attrape le chat, comment on tue le chat pour ne pas le stresser, tout ça, ne pas contaminer la viande, on ne fait pas en désordre. Mais l'enfant, la pauvre petite fillette, très, très, très super intelligente, fillette, c'est un génie aujourd'hui, elle fait les enfants à gauche et à droite dans Libreville. Quand je suis rentré au Gabon, j'ai eu mal. Elle a eu même honte de me rencontrer. Pourtant, nous sommes les frangins d'enfance. Elle est même la première fille que j'ai connue dans ma vie. Mais tellement elle est restée derrière, dans les matinées, qu'elle s'est dit que Vianney et moi, on n'est plus pareil. J'ai dit, mais ma soeur, je veux te voir. Je veux te voir, tu es ma soeur. On n'est plus dans les choses de tchouk-tchouk, mais on est dans les choses de grand le respect. Mais je veux au moins te voir. Mais l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a le talent dans le pivot, il y a le talent dans la jeunesse. Mm-hmm. Je ne veux pas me tendre pour monopoliser la parole. Mais on en a marre que les talents meurent là où ils sont nés. Donc, merci. Sortons, levez-vous, soyez conscients. Et je vais dire félicitations au frangin qui est dans la vidéo, hein, malgré qu'il soit dans son bout. Non, le frangin est propre. Le frangin est propre, pas suivre. Le frangin est propre, c'est la communication qu'on veut faire de ce qu'il a dit, qui est méchante et qui est malsaine. Le frangin est propre. La manipulation. Voilà. La manipulation. C'est ça. Donc, mais le frangin là, c'est un wise. Il a su les pédégistes. Il est éloquent. Mais il s'est mis en sécurité. Ouais. Si tu veux utiliser ma vidéo, ben utilisez. Mais les wise vont comprendre. Les wise ont compris. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est extrêmement éloquent dans et son voilà message. Extrêmement éloquent. En fait, j'ai même envie de dire que ce langage doit être enseigné à l'école, on doit l'enseigner, on doit l'étudier à l'université, on doit l'enseigner. Donc, les linguistes, là, il faudrait vraiment vous pencher là-dessus. Le bilingome, c'est ça le nom du dictionnaire. Le bilingome. Donc, il faudrait vraiment, non, honnêtement, vous savez, ce langage est tellement précis, d'une éloquence extrême. Et rarement, j'ai vu des gens parler avec autant d'éloquence et faire passer un message aussi intéressant et aussi précis. Ce que le Gabonais crée, même si c'est dans la rue, même si c'est un illettré, ce que le Gabonais crée, c'est propre, c'est dosé. C'est clair. Voilà pourquoi à l'époque, on avait des Master Koudi qui pouvaient aller prendre les Corans en Afrique du Sud. On avait les Daniel Cousin qui jouaient au Glasgow Rangers. On rêvait, mais aujourd'hui, c'est zéro. Zéro. Il faut se courber, il faut devenir pédé. Il faut t'allonger sur le canapé. Moi, j'ai menacé un frangin tout à l'heure avec qui j'ai fait l'école primaire. On a fait la troisième vers les 2000, je ne sais pas combien là-bas, 3 ou 2, ensemble. Fils de Mac Joss, je ne veux pas dire son nom, il passe dans les télés. Il vient me faire des compliments bizarres. Il est pédé depuis le lycée. On ne va plus avoir honte de citer les gens. Ceux qui le connaissent, le connaissent. Mais il me fait des compliments bizarres. En tout cas, moi, je sais que l'enfant, il partait à l'église avant, quand on était, mais il s'est caché encore, mais il a fait son coming out. Tout le monde devient pédé. Un bon frangin, il vient me faire les compliments que tu es sexy. Mais tu es comment? Mais on va pas devenir tous des pédales dans le pays. Moi, quand je suis rentré au pays, j'ai vu... Ça va aller, Vianney, ça va aller. Courage. J'ai eu peur. Dieu merci, je me suis rendu compte que mon petit fonctionne bien. Parce que dès que quelqu'un met un pantalon bizarre, là, tu te dis que est-ce que le frangin n'est pas devenu pédale? Donc, les gars, si vous ne voulez pas que les doses avec les fesses qui coulent un jour, sortez dans la rue. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Vianney. Merci, ton message a été bien reçu et bien apprécié par tout le monde. Pour le projet, j'ai ça à cœur. Je suis en train de voir d'analyser les paramètres. Il n'y a pas de souci, oui, frangin, ensemble. Tu es en Russie là à côté, je connais la réalité là-bas. Il n'y a pas de problème. Merci pour ça. Et ne suis pas les gens qui te traitent de mendiant. Oh non. Non, au contraire, c'est juste pour leur faire passer le message. Hein. Je leur fais passer un message qu'on a besoin aussi de leur participation. Mais dans tous les cas, cette plateforme verra le jour dans 10 jours. Même voilà, si pour le moment, on est encore moins, mais cette plateforme verra le jour dans 10 jours. Et moi, les Gabonais pourront participer sur cette plateforme. Voilà. Donc encore merci, Vianney, pour ta participation. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui m'ont écouté, à toi aussi, on est ensemble. On est ensemble, ciao. Ciao. Voilà. Donc, c'était Vianney. Alors, on va voir qui veut encore participer. Hein? Qui veut encore participer? Envoyez simplement un message. Parfait, je veux participer.
Envoyez-moi un message sur Messenger. Ne m'envoyez pas un message ici. Je vais appeler Soupa. Soupa voulait participer. Donc, Soupa, je t'appelle tout de suite là. Voilà. Qui veut participer, vous m'envoyez un message. Dites parfait, je veux participer. Je vous donne la parole. Donc, Soupa, ça sonne. Alors, Soupa, bonsoir. What? Allô? Molo. Molo. Allô? Bon, moi, je voudrais participer. D'accord, voilà, on t'écoute. Des jeunes au Gabon. Les jeunes au Gabon, là, c'est des cohortes et des cohortes de jeunes de 15 à 26, 27 ans qui traînent. J'étais au Gabon, là. Je viens d'arriver, je viens du Gabon. C'est difficile. Ces jeunes, d'abord, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés. Actuellement, les classes ne sont pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas aller à l'école. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils doivent tout payer. Les parents doivent tout payer. Les parents ont 9, 10, 11, 12 mois. On ne peut pas instruire ces enfants-là. Ce n'est pas possible. Et là, nous parlons de la génération qui est là, qui a les 18 ans là. Mais celle qui arrive derrière, on a supprimé toutes les écoles privées publiques. Je crois que deux tiers des écoles privées publiques, sont supprimées pour en faire des collèges, parce que la tranche d'âge des collèges est plus grande que celle qui arrive. Donc l'éducation actuellement, l'instruction actuellement repose sur des écoles privées qui ne sont même pas au jour d'aujourd'hui là, qui ne sont même pas surveillées par l'État pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Tous ces jeunes-là, ils n'entrent pas dans les pivots, les bangandos. Beaucoup de jeunes sont de familles monoparentales. Vous savez qu'au Gabon, beaucoup de femmes élèvent leurs enfants. Mais quand ça n'arrive plus à aller, les enfants tombent dans les pivots. On ne braque pas pour rien. Moi, j'ai l'habitude de dire chez moi au Gabon, s'ils viennent voler, personne ne vole par plaisir. C'est parce qu'il y a un manque et qu'on leur a fait miroiter une société de consommation. S'ils deviennent pédés, ce n'est pas parce qu'ils sont homosexuels. Ces enfants-là ne sont pas homosexuels. C'est la pédérastie qui se propage du plus haut niveau de l'État jusqu'en bas. Je vous prends une histoire que j'ai vécue à Libreville dans un cabinet médical. Un jeune que sa mère amène, au niveau du pubis et du pénis, tout est brûlé. On ne comprend pas ce qui se passe. Et puis à un moment, le médecin voit la mère. C'est là où l'enfant dit, c'est mon oncle, le frère de ma mère, qui me prend tous les week-ends et qui m'amène. On ne sait pas quelle crème on a utilisée. Est-ce que vous croyez que cet enfant est homosexuel? Ou c'est de la pédérastie? J'imagine. Donc, c'est pour vous dire que les jeunes, c'est désolant au Gabon. C'est désolant. Il y a un des jeunes là, qui était même candidat aux législatives, qui a créé une maison de jeunes en Zanayon, dans laquelle j'ai été plusieurs fois. Mais c'est désolant. Il y a des gens qui font des choses au Gabon. Ce jeune qui était candidat là, bon, je t'ai le nom parce qu'il aime faire dans la discrétion. Il en a placé dans les collèges. On en a placé pour faire éducatrice préscolaire. On en a placé pour faire des Michelin. Il en place par-ci, par-là. Il paye des études, des fournitures à ses frais avec sa suppléante et tout ça. Les enfants reprennent vie. Et des enfants qui ont des histoires, des enfants qui ont vécu le 31 août. Moi, je parle particulièrement d'un enfant que je connais bien, celui qui a perdu sa mère au 31 août. Est-ce que vous savez là où il se trouve? Et est-ce qu'on sait dans quel état il est? Mais tous ces enfants sont prêts, je vous dis que tous ces jeunes sont prêts en dépouille. Prêts. Moi, j'étais même à leur dire, non. N'allez pas vous mettre dans des situations où on va regretter. Ils sont prêts. Ce que j'avais à te dire, parfait. De ton histoire de cotisation, là, moi, je t'ai écrit deux fois. Je suis vieille. J'ai la fracture numérique. Je ne sais pas comment on fait vos histoires, là. En tout cas, maman, tout de suite, tout de suite, je vais te rappeler. Je vais te rappeler tout à l'heure. Je vais te rappeler. On envoie le petit 10 euros qu'on doit envoyer. Merci, maman, beaucoup. Merci, 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 merci encore pour ta participation. Les enfants, là, je suis arrivée le 6 décembre.
les enfants là. Combien de frères sont venus me voir, maman? On a besoin de juste 25. Le jour où vous allez les brûler, chez qui vous allez vous retrouver en prison. Le jour qu'ils sont allés à la Cour constitutionnelle, moi j'étais. Le jour qu'ils sont sortis, j'étais mangé avec eux le soir. Les gens qui sont partis à la Cour constitutionnelle, les Tito et les autres. Lynn, que tu entends là, Lynn, c'est ma fille. Je communique avec eux tous les jours. Mes enfants là sont pleins. Pleins. La photo de Lynn là que vous parlez là, dans tous les commissariats de Libreville. Merci beaucoup, maman. Merci pour toutes ces précisions. Ce n'est pas la blague que vous voyez là. Ce n'est pas la blague du tout. Hein. Ce n'est pas la blague. Tout le monde est remonté. Vous dites les armes, les armes, les armes. Le calibre 12 se vend comme du pain maintenant dans Libreville. Hein. Ah, merci de nous avoir encore précisé cela, que les gens comprennent. J'étais dans tous les meetings là, des Yorondon là, on ne voit pas les jeunes, parce qu'ils disent qu'ils sont fatigués, ils veulent un meneur de guerre comme Zibi, mais il n'y en a pas, on va le créer où? On n'était que les vieux, les vieux, les vieux, les vieux dans les meetings, les vieux, les policiers que vous voyez là, eux-mêmes ils en ont marre. Le dernier meeting qui a raté en Zonyon, pas celui du 15, il y avait un autre avant. Moi je suis allé dans le noir. J'ai les yeux vus, les petits fronts bombés. Les Gabonais ont les fronts bombés comme ça. Les policiers eux-mêmes, ils sont dans quelle situation? Tout ça là, c'est la peur. Vous croyez que Ping a choisi le slogan là pour rien? Moi-même, j'ai dit aux enfants, ne partez pas. Sinon, vous allez aller respirer les lacrymogènes. Vous n'êtes pas des aspirateurs à lacrymogènes. Ne partez pas. Demain, là, ils vont aller à Dynamique Militaire. Il faut porter pantalon noir, chemise noire. J'ai dit, venez chercher chemise noire. Ils sont prêts à en découdre. Hein. Exactement. Moi, le mur, là où moi j'habite, le mur, ils profitent de la wifi là. Là où elle a ma soeur m'a déjà dit qu'ils sont là, ils t'écoutent. Là où j'ai mon truc à Ovendo là-bas, la DSL qui diffuse, ils sont là le soir. Je dis aux gardiens, allez, il faut laisser la DSL là. Ils vont écouter ce qui se passe. Puisque c'est illimité, c'est illimité. Ils écoutent, hein. Donc ils vont suivre les lives, c'est pas grave, on va continuer. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a des traîtres. Ils trahissent les autres à cause de l'argent. Donc ils ne peuvent pas faire quelque chose en groupe. Moi je leur ai dit que celui qui a envie de faire, il se lève, il part. Mais il ne dit pas qu'il part avec les trois autres parce qu'il y a un qui va trahir. Exactement. Exactement. Merci beaucoup maman, merci. Chada trop dit, il ne faut plus trop dire, c'est bon, merci. Merci beaucoup. En tout cas, je vais te rappeler tout à l'heure. Encore merci et bonne soirée. Je te réécoute. Voilà, donc la maman a fait tout le live. Donc maman Soupa a fait tout le live. Je pense que je n'ai plus rien à ajouter. C'était clair, c'était propre. Alors donc il va falloir que les gens commencent à se poser des bonnes questions et ne pas venir dans les lives pour nous distraire. D'accord ? Nous avons un projet. Nous voulons libérer notre pays, nous voulons le prendre en main, nous voulons le construire. Nous voulons que notre jeunesse soit formée pour pouvoir diriger le pays, le Gabon de demain. Le Gabon de demain, celui qui va le diriger sortira du Mapane. Il sortira de n'importe où, peu importe là où il sortira, mais il pourra représenter le peuple gabonais avec les valeurs gabonaises. C'est pour ça que nous nous battons. Alors donc, pour ceux qui se posent encore des questions de ce qu'il faut faire, je vous demande déjà d'abord de commencer à vous poser la bonne question de qui je suis et pourquoi je dois me battre. Dès que tu t'es posé cette question, tu te poses l'autre question de savoir est-ce que je mérite ce que je vis aujourd'hui? C'est ça aujourd'hui, c'est les questions qu'on doit se poser. Alors je m'adresse à cette jeunesse-là qui squatte les murs à gauche et à droite pour suivre les lives. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes peut-être dans la diaspora, nous ne sommes peut-être pas sur le terrain, mais je vous assure que nous ne dormons pas chaque nuit avant de faire une prière pour vous, mais surtout de croire que nous devrions le lendemain apporter quelque chose à notre jeunesse, à notre peuple, parce que nous sommes l'avenir de demain. Le Gabon de demain, c'est notre visage. Voilà à quoi ressemble le Gabon de demain. Une jeunesse forte et qui sait ce qu'elle veut. Donc merci pour ceux qui ont participé, merci pour ceux qui continuent. Alors s'il y a quelqu'un qui veut participer encore, je vais prendre encore une personne là. Ok, d'accord, la fille là, je vais te contacter tout à l'heure. Donc, Silver, je donne la parole tout de suite. Silver, tu veux participer, je donne la parole. Donc, Silver, prépare-toi, tu vas avoir la parole. Donc,
continuez à partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, envoyez-le partout, 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 partout. Partagez-le là, n'hésitez pas à le partager. Donc, Silver, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, tu as la parole, Silver. Tu voulais t'adresser au peuple gabonais. Oui, bonsoir, tout le monde encore. J'ai apprécié l'intervention de la maman à peine là. Mm-hmm. Mais, logiquement, elle a bien parlé. Je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois, la semaine passée, dans ton live, j'ai dit, on a deux ennemis. On a le jugement de place et l'armée. C'est vrai, comme elle dit, il y a des jeunes, mais normalement, les jeunes sont prêts, comme elle dit. C'est pas faux. Je dis que c'est compliqué. Rien ne va. Même pas, surtout encore, ceux qui sont plus atteints, par exemple, la tranche d'âge de 21 ans à 25 ans, 27 ans, ceux qui sont souvent en fin de cycle. Moi-même, personnellement, j'étais dans une entreprise de la place où j'ai déposé un dossier, comme par hasard, comme par miracle, on m'appelle pour passer l'entretien. Mais après l'entretien, le monsieur me dit Monsieur, vous êtes dolu. J'ai dit, mais tiens, mais quel l'entretien. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est une entreprise bien de la place. Il dit, monsieur, vous êtes dolu. Mais dolu, mais j'ai la frisson. Les mots me sont sortis de la bouche. Je voulais que ça ne va pas. Tout est compliqué, je vais en pouvoir. C'est vrai que la main dit, on cherche un leader. On cherche un leader, c'est vrai. Logiquement, nous tous, nous devons être leaders. Ça, c'est pas faux. Donc, tu es dodu. Hein. On déduit tout simplement que l'armée n'est pas avec nous. Et ça, c'est on nous dit, c'est pas de la malchance. Mais si moi, j'aurais été enseignant, mais je devais récupérer leurs enfants en salle. Et avec la manière la plus proche, pour commencer, ils pourront peut-être transmettre à leurs parents. Mais les parents pourront changer. Ah, mon fils m'a dit ça. C'est que je, même prochainement, quoi dire, encore, on va marcher. Il faut que j'arrête parce qu'il a une punition. Parce qu'apparemment, c'est comme s'ils ne sont pas concernés. Demain, par exemple, demain la Danique Uther se rend. On va aller. Mais c'est pour tout le monde. Sont eux qui sont concernés pour les avancements. Comment ça? Oui, les avancements directs. Qui s'est passé que l'État a supprimé. On doit être dur. Je dis que nous, c'est l'armée là. C'est vrai que ce sont nos frères, mais la réalité, ils ne sont pas avec nous. C'est compliqué. Tout est en captivité avec les étrangers. Vous voyez même chaque grand rond-point des avions, le rond-point 12, tous les magasins des box étrangers, même pour un box, pour que tu puisses étaler un truc pour vendre, c'est compliqué. Tu ne peux pas. C'est vraiment que je dis, on n'a pas le choix que à se mettre. Nous sommes plus là pour dire, on va attendre un leader pour qui peut se garder les troupes. On doit être conscient. Moi, par contre, samedi, c'est vrai que samedi, quand les gars, ils ont gazé, mais la moitié des plus jeunes, ils avaient un langage que on est fatigué aussi, parce que je sais comment que ces gens-là, ils ne comprennent qu'un seul langage, qui est la force. Et ça, c'est vrai, ils ne comprennent que la force. Et puis, beaucoup, ce que là, sont restés avec ce traumatisme du 2016, ça, c'est pas faux. Hein. Mais, moi, ce que je demande aux frères, de la population, c'est de ne pas laisser cette charge-là à le président élu, parce que le président élu, lui, il nous accompagne aussi. On a besoin de tous de façon mutuelle. Donc, je n'ai pas envie de vous poser la parole, mais c'est vrai, c'est compliqué. Merci. Moi, je t'ai envoyé un message sur Monsieur Messenger pour demander l'aide. Oui, en tout cas, oui. En fait, le problème, c'est que, comme je disais, j'ai deux comptes. Oui, j'ai deux comptes. Là, maintenant, il faut ceux qui m'ont déjà contacté, qui n'ont pas vu mes retours, de bien vouloir me recontacter. C'est parce que je reçois beaucoup de messages. Les messages d'encouragement, les messages de prière, les messages de bénédiction. Du coup, quand tu m'envoies un message, ton message va tellement bas parce que je reçois plein de messages. Et donc, ceux qui m'ont demandé à participer, quand je ne suis pas revenu vers eux, s'il vous plaît, réécrivez-moi, réactivez-moi pour que je puisse revenir vers vous. J'ai deux comptes Facebook et il faut que je les surveille. Et hormis ça, j'ai aussi des travaux à l'université. Donc, vraiment, désolé. Donc, je vais te rappeler juste à l'heure là. Je prends ton nom, je te rappelle tout à l'heure. Donc, encore merci pour ta participation. Merci encore. Merci, bonne soirée. Alors,
Cette fois-ci, on va donner la parole à quelqu'un. J'ai demandé, comment il s'appelle? Enoch Mubamba. Hein? Enoch Mubamba, je t'ai envoyé une invite, une demande d'invite, donc je t'ai envoyé une invite. Réponds à mon invite et ensuite je donnerai la parole. Parce que pour te donner la parole, il faut que tu répondes d'abord à mon invite. Je t'ai envoyé même encore un message. Donc Enoch, tu veux participer? Je demandais d'envoyer un message, tu n'as pas envoyé de message. Je viens de t'envoyer un message là tout de suite. S'il te plaît, réponds au message pour que je donne la parole. Donc Enoch, j'attends que tu répondes au message. Enoch Mubamba. Enoch Mubamba, j'attends que tu répondes au message. Ok. Ok, d'accord. Je donne la parole à maman Viorica. Alors, j'appelle maman Viorica. Donc, maman Viorica, tu vas avoir la parole tout de suite. Allô, bonsoir. Enfin, bonjour. Vous qui êtes au Canada. Allô. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, je vous écoute. Bonjour. Allô, on vous écoute. Allô. Oui, allô, on vous écoute. On vous écoute. Oui. Oui. Tu m'as demandé si tu peux m'appeler. Ah, ok, d'accord. Ok, je te rappelle alors tout de suite. Je te rappelle un instant. Je te rappelle. D'accord. Oui. D'accord. Voilà. Là, je me suis trompé. C'est une personne que j'avais pris avec qui j'avais pris contact. Bon, voilà. Donc, Enoch, je veux te donner la parole, mais tu n'es pas disponible. S'il te plaît, envoie, réponds au message. Je t'ai envoyé un message. Oh là là. Je t'ai envoyé un message, Enoch. Bon, on va regarder s'il y a d'autres personnes qui veulent participer. Bon, là, je vois personne. À part Enoch qui veut participer, j'ai envoyé un message. Enoch, je t'ai envoyé une demande. Réponds à la demande pour participer, s'il te plaît. Ok. Donc, Dominique, je donne la parole tout à l'heure, tout de suite. J'espère que tu es disponible, Dominique. Dominique, tu vas avoir la parole. On attend que Dominique puisse prendre la parole. Dominique, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, mais si tu n'es plus connecté, c'est pas grave. Bon, Enoch, je te donne la parole. Tu ne peux pas répondre au message. Tu ne réagis pas. Je vais devoir. Franck. Franck, tu veux participer, c'est ça? Brice. Ok, donc Franck, je te rappelle. Hein, je donne la parole, Franck. Franck, tu m'as écrit sur le mauvais côté. Hein, tu m'as écrit sur. Tu aurais dû m'écrire sur Starly Rose Parfait. Donc, je te rappelle, Franck. Sois prêt pour prendre la parole. Je t'appelle tout de suite. Je t'envoie un message. Franck Depp. Ok, Franck Depp, tu vas prendre la parole. D'abord, est-ce que tu veux prendre la parole? Je ne sais même pas. Ok, tu veux prendre la parole. Donc, Franck Depp, prépare-toi à prendre la parole. Je suis obligé de les chercher. Hein. Désolé si ça fait un petit décalage là. Franck Demp, tu t'envoies un message de grâce de bien vouloir répondre à mon message. Et là, je t'appelle. Voilà, on va donner la parole à Franck Demp. Donc, ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un message et je vous donnerai la parole. Franck, bonsoir. Bonsoir, parfait. Voilà,
pour leur faire un simple message à la jeunesse gabonaise, que je suis aussi. Donc, un message d'encouragement à cette jeunesse qui autrefois était naïve et aujourd'hui devient très courageuse. Donc, le message, c'est de dire à cette jeunesse que nous ne devons plus croiser les bras de nos jours. Étant donné que nous ne sommes plus ce que nous étions avant, personne ne peut nous arrêter de faire quoi que ce soit. Si nous avons tous la même vision directrice, je pense que nous pouvons arriver à nos bouts. Tous unis avec la même vision. Si nous avons commencé faible autrefois, aujourd'hui, nous pouvons commencer faible et être très fort. Tout le monde commence faible et termine fort. Donc aujourd'hui, il y a la dynamique unitaire qui commence. Tout le monde le voit faiblement commencer. Mais moi, je suis persuadé qu'il sera très fort après. Exactement. Voilà. Donc, il est important que nous prenions conscience maintenant cette jeunesse-là. On ne peut pas tout nous ravir dans ce pays qui nous appartient. C'est pas possible. Tous unis, on ne peut pas tout nous ravir. On ne peut pas. Nous avons un désir. C'est de relever ce Gabon. C'est de réussir. Avec cette même vision. Nous avons tous une vision directrice. Voilà ce que j'aimerais dire à la jeunesse. Merci. Quand on accomplit une tâche, que la tâche soit faite, il faut la faire bien. Pour que demain, lorsque tu as une grande tâche, tu auras accompli une moindre et avoir plus de force avec la grande. Voilà. Donc, c'est pourquoi une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle prend soin de sa grossesse parce qu'elle sait ce qu'elle porte à l'intérieur. Exactement. Donc, c'est également la même chose que la jeunesse doit penser aujourd'hui. Que si nous avons eu ce dynamisme unitaire, c'est parce que nous savons ce qu'elle doit porter demain. Il faut qu'en nous mobilisant, on ait la même vision. Ce n'est pas le jeu que nous venons faire. Ce n'est pas un rassemblement simplement parce qu'on veut être là, on veut être vu. On veut relever et récupérer ce Gabon qui se trouve depuis longtemps dans les mains des gens qui n'ont pas le droit de faire de ce Gabon ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Voilà. Encore merci beaucoup, Franck. Merci, Francky, de ta participation. J'espère que cette jeunesse t'a écouté. Et c'est justement le travail que nous devons faire ensemble. Ce n'est pas à parfait l'activiste de faire ce travail, c'est à nous tous. Aujourd'hui, la parole aux éditeurs, c'est pour pouvoir justement mettre ensemble nos idées, pour pouvoir éduquer, pour pouvoir relever, pour pouvoir éveiller cette jeunesse. Et merci pour toutes ces personnes qui participent et qui apportent ce message d'espoir. Merci beaucoup, Francky. Merci à toi. Merci, parfait. Voilà, donc c'était Francky qui a intervenu. Je crois que c'était mon dernier intervenant, pour ceux qui veulent intervenir, comme vous connaissez, vous me laissez un message, je vous donne la parole. Mais là, je vois qu'il n'y a plus personne. Donc, je vais faire mon mot de fin. Alors, demain, c'est dynamique unitaire. Alors là, le message, il est clair. Déjà, je demanderai à partager le live au Gabon. Partagez-le avec les gens qui sont au pays. C'est très, 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 très important. Pourquoi ? Parce que demain, ce sont eux qui doivent rejoindre Dynamique Unitaire. Demain, la consigne est simple. Les militaires, les policiers viendront. Ne les affrontez pas. Esquivez-les. Vous voyez un peu ce que vous avez fait lorsque vous êtes sorti du QG des jumping. Ils sont là, vous les esquivez. Vous marchez à côté, vous les laissez passer, mais vous continuez votre marche. Ils vous balancent des bombes lacrymogènes. Ne fuyez pas. Continuez seulement votre... Ne les affrontez pas demain. Ne les affrontez pas. Ils vont vous provoquer. Parce que quand vous allez les affronter, ils viendront sur vous pour vous arrêter. Le but, c'est ça. Ils vont vous balancer, ils vont vous faire tout. Évitez-les. Demain, mobilisez-vous. Restez derrière Dynamique Unitaire. Mais n'affrontez pas ces esclaves. N'affrontez pas ces esclaves. L'objectif, c'est quoi? C'est que plus ils arrêtent des personnes, plus ils seront payés. Donc vous êtes devenus en fait leur gagne-pain. Plus ils arrêtent des Gabonais, plus on les paie. Et plus ils continuent à vendre la peur. C'est pas que vous avez peur, c'est pas que vous êtes faible, mais vous allez faire quelque chose qui est digne. Quand ils vont balancer bombes lacrymogènes, ne les approchez pas. Laissez-les faire leur boucan. Ils vont venir vous bousculer. Continuez à passer votre route. Oh papa, s'il te plaît, oh, excuse-moi grand frère, tu es trop fort, je ne suis pas fort.
de grâce, laisse-moi seulement partir chez moi. Je suis venu écouter le discours qu'il y avait à faire, je rentre chez moi. Ne les affrontez pas. Ce n'est pas que vous êtes faible. L'objectif, c'est de vous mobiliser. Mais un jour, c'est plus très loin. Un jour, nous allons passer à l'affrontement. Un jour, et ce jour est devenu, est tellement proche. Il est tellement proche que ce jour, je pense que c'est vous qui allez avoir les bombes lacrymogènes et les matraques. Et eux, ce seront eux qui vont courir à ce jour-là. Ce jour-là arrive, il n'est plus très loin. Il est dans nos murs, ce jour-là. Mais demain, n'affrontez pas les policiers. Écoutez le message et rentrez tranquillement chez vous. Ils vont vous pourchasser. Ils vont chercher à vous poursuivre. Ils vont chercher à vous créer vous emmener les problèmes. Ils vont tout faire. Vous suivez votre discours, vous rentrez chez vous tranquillement. Il n'est pas interdit aux Gabonais de marcher sur la route. J'ai le droit de marcher sur la route. J'ai le droit de marcher, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de me balader. Il n'y a pas de couvre-feu demain. Vous écoutez votre discours, vous rentrez chez vous. Donc, demain, je répète, n'affrontez pas les policiers, laissez-les. Ils balancent les bombes lacrymogènes, laissez. Ce n'est pas que vous êtes faible. C'est plutôt que vous deviez vous préparer pour le moment où ils ne s'attendront pas à vous voir. Et là, c'est vous qui aurez les matraques, c'est vous qui aurez les bombes lacrymogènes. Donc, sur ce, merci pour tous ceux qui ont participé à ce live. Merci pour ceux qui ont partagé ce live. Et je tiens à dire encore ceci. Nous sommes en projet de sensibilisation de proximité, projet de création d'une plateforme interactive pour permettre à tout le monde de non seulement mieux s'organiser, mieux participer, mais surtout pour permettre à ce que les jeunes au pays puissent recevoir le bon message. Donc pour cela, je vous demande de participer. Écrivez-moi, envoyez-moi un message. Parfait, je vais participer. Je vous donne le numéro de téléphone. Le numéro est celui-ci. Ceux qui peuvent noter, je vais l'écrire je vais mettre le numéro en description de la vidéo. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Parfait, c'est pour le projet. Parfait, c'est pour le projet. Ou m'envoyer un message sur Facebook en disant parfait, j'aimerais participer. Ceux qui ont déjà envoyé des messages dont je ne suis pas revenu, de grâce de bien vouloir me recontacter, c'est qu'il y a tellement de messages qui viennent que j'ai du mal à suivre tout cela parfois. Donc merci à ceux qui ont déjà participé. Et je tiens à dire que nous sommes encore très très loin du compte. Et il nous reste encore 10 jours. Il faut que la plateforme soit prête avant. Je dis bien, il faut que la plateforme soit prête avant le discours de fin d'année, avant le discours à la nation, parce que il faudrait qu'on soit prêt. Et je tiens à vous dire que si le PDG en ce moment est très calme, ils sont en train de nous préparer une bombe. On a déjà vendu la bombe, mais je vous assure qu'elle sera plus grave que les deux vidéos qu'ils ont sorties sur Ali Bongo. Donc, il faut qu'on soit prêt, il faut que cette plateforme soit prête. Merci de bien vouloir participer. Elle dit, je veux participer. Attends, elle dit, tu veux participer, tu m'envoies un message. Là, je vais devoir arrêter le live, c'est à la fin du live que tout le monde veut participer. Donc, elle dit, tu es le dernier participant. Tu veux intervenir ou tu veux participer? Est-ce que tu veux intervenir au projet ou est-ce que tu veux participer au live? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que tu veux participer au projet ou tu veux intervenir au live? Elle dit, écris déjà un message vite avant que je ne ferme le live. Elle dit, tu veux intervenir sur le live ou est-ce que tu veux participer au projet? Elle dit, tout le monde est suspendu à tes lèvres. Il y a 175 personnes qui attendent ta réponse. Ah, tu veux participer au projet? Ok. Donc, je te rappelle tout à l'heure. Donc, encore merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui ont suivi ce live. Merci à ceux qui ont partagé surtout ce live. Alors, on va se séparer. Et comme toujours, hein, on se sépare en musique. Donc, aujourd'hui, on ne va pas écouter XXXTentacion. On va écouter un titre que j'appelle.
l'affectionne particulièrement depuis un certain nombre de jours. Donc, je vous demande sur ce de passer une excellente soirée. Merci. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci de tous ceux qui sont toujours présents dans ce que nous faisons. Merci pour ceux qui partagent des lives. Surtout, merci pour cette jeunesse qui a soif de liberté et qui, dont je suis sûr et certain que d'ici très peu, sera bientôt libre. Allez, bonne soirée.